Là, il y a l'un des deux rapaces, je sais plus lequel, qui se fait tuer par un assassin dans le dos. C'est les deux, hein. Il tue les deux en même temps? Ah oui, Mika, il tue les deux rapaces d'un coup. Exactement. Mika, tu les deux rapaces d'un coup. Ah, il a OS les deux? Il a OS les Ouais. deux. Oh, mais mon élève, il est trop fort, putain. Reste tu Mika. Oui. Ouais, après, il reste tu Mika. Après, Et tout le temps, tu restes. Voilà. Tombe, Voilà. tombe, tu restes. Aïe. Tombe, tu restes. C'est Et donc qui l'a tué? Oui, qui c'est qui tue Bécheur? J'avais oublié Bécheur, tiens. c'est qui tue Bécheur, il Bécheur? meurt C'est aussi. Titan. Titan. Et vous étiez là ou pas? Bah, Ah si, en ben, fait, non mais j'ai c'était mis Apple's Ball. C'était le Non, j'ai mis Mika tue les rapaces. Resh tue Mika. Resh meurt. Bécheur meurt. J'ai pas qui avait tué. Ouais, ça a été J'ai un pas peu vite, ça a été un Mais peu vite. non, mais excuse-moi, parce que tout ça, ça met en une minute, hein, tout ça. Donc effectivement, je sais plus qui a dû qui dans le Alors, truc, mais bah. effectivement, il y a les rapaces qui tombent. Au moment où les rapaces tombent, on voit un assassin derrière eux. Tout le monde sait que c'est Mika, sauf qu'il est encapuchonné. Resh ne le comprend pas, l'assassine de dos. Et quand il le soulève dans les airs, sa capuche tombe. Et là, Titan voit que c'est son fils. Il hurle à la mort, tombe, prend son élan avec sa hache à deux mains et fend le crâne de de Resh en deux. Bécheur qui vient pour s'interposer et venir foutre la merde, Titan le chope, du moins il se fait charger par Le Bon, qui donc se retrouve au sol Bécheur, et Titan du coup il y a un gars au sol, bon le sol c'est un peu une enclume, il a son marteau, bon bah voilà quoi, on va faire une tête plate. Voilà. Donc voilà, et c'est comme ça que ça Ok. s'est déroulé. Voilà, Coucou, ok, très bonsoir bien. tout le monde, désolé normalement le son est bon, depuis le début on n'était pas enregistré, merci Choquel de me l'avoir dit, t'es Bonsoir. un amour autant que je te déteste, voilà, c'est parfait. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, bon, il se passe l'hécatombe là, en gros, voilà. Et ensuite, bah voilà, on finit enfin par se faire libérer, enfin. Enfin. Ben, bon, voilà. Oui. Là-dessus. La duchesse va voir ce qu'elle peut faire pour essayer de sauver le petit Mika, ainsi que Mamie Irel, vous y allez tous les deux. Voilà, moi je commence un peu à discuter avec le duc, parce que le duc il me dit genre, ah le problème c'est que là les enfants qui sont là-bas, parce qu'il y avait les enfants qui étaient là, le problème c'est que les Oui. enfants qui sont là-bas et ont tout vu, je suis en mode écoutez, je peux les faire disparaître, je vous fais un tour de magie. C'est Et là que je la commence duchesse elle a fait non, et moi j'ai fait Voilà, si, et et là le je... chat a fait non, et j'ai fait Voilà. si. Voilà, et je commence à y aller, et là, il y a le top 3 de la ville qui vient, à savoir le capitaine de la garde, Titan, tombe. Genre, les mecs, ils sont esquires dans la méta actuelle, ils sont dans moi, et ils font genre, tu fais ça, t'es mort, mon petit pote. Et moi, je suis là, bah oui, donc du coup, je me casse. En Voilà, fait, en tu plus, j'ai sortais moins 4. d'Axe, c'est la dernière chose que tu Voilà, sortiras. en plus, là, j'ai quand même moins 4 en dex, c'est bon, je m'en vais, quoi. Voilà. Donc oui, bah, je suis parti, j'ai dit, bon écoutez, d'accord, bah, démerdez-vous. Hein. Voilà. Donc, je me suis Sans pris un plus gros rien coup de faire ici. pression. Voilà. Je me suis pris un gros coup de pression de la part du top 3 là. Enfin, du seul qui pouvait parler des trois. Qui m'a dit. Qui m'a dit du coup de me barrer, quoi. Voilà. Ton fils à terre ne te suffit pas. Voilà, c'est ça, il m'a dit ça effectivement. Donc. Bah, j'ai bien mis en avant quand même le fait que, évidemment, que ça me plaisait pas de tuer des enfants, évidemment. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, Et ouais. que, ouais, bah après, il rapporte de l'XP quand même. Mais bref. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, qu'effectivement, c'est pas de tuer les enfants, mais c'était à ce moment-là la seule solution. Après, on m'a expliqué qu'il y avait moyen d'en faire perdre la mémoire. Bon, bah du coup, nickel. Voilà, donc, pas sous ça. Ensuite, on. Mika est amené chez Mamie Irel pour des soins intensifs. Et moi, je discute un peu avec le duc de oui, bon, bah voilà, il va falloir se préparer parce que, bah, on sait pas combien de temps bah, on va pouvoir faire croire à l'Inquisition qu'on est mort, tout ça, machin. Voilà, je discute un peu avec le duc. Le bon, il fait son le bon, on sait pas trop ce qu'il fait. Il voulait aller Et. suicider, à la base, Ah, je crois voilà, qu'il m'a dit. voilà. Ok, et puis Udi qui lui dit à côté, pop, tu vas où là? Après que tu pouvais partir, hein? Voilà. Non, parce que oui, parce que effectivement, le fait de voir l'ancêtre choir devant mes yeux, Oh, c'est vraiment. ça m'a fait quelque chose. Surtout que ce qui n'a pas été dit, c'est que j'ai quand même goûté un petit peu à l'ancêtre et Ah j'ai bon? pu effectivement. Et j'ai pu voir des choses et ça m'a un petit peu déboussolé. Voilà. Bon. Ensuite, Mika s'est soigné. Alors moi, j'étais pas là. Donc je sais pas si tu peux en dire plus.
A priori, c'est bon, il est hors d'état de nuire. C'est pas du tout. Il est hors d'état de nuire. Metal Gear. La cible est neutralisée. C'est bon, la zone est pacifiée. Ah, celle-ci, on va la garder. Le chat, un petit clip, moi, ça me va. Waouh. Non, il est... Hors d'état de cause. Hors de... Non, ah, ça. Putain. Hors... Il va bien, il va bien. Il est hors de danger, hors de danger. Les gars. Hors de danger, ouais. Non, mais putain. Enfin, il risque plus de mourir. Il est neutralisé. Comme ça. Cible neutralisée. Titan, c'est bon, Mika est neutralisé. Voilà. T'imagines, tu perds le JDR là-dessus. Voilà. C'est Monsieur... bon. C'est bon, on a géré sa vie. C'est bon. Allez. Monsieur, occupé donc... de Mika, t'inquiète pas, il est voilà. Neutralisé. C'est bon, neutralisé. Non, il est hors de... Ah, merde. Hors de danger, voilà. Donc du coup, ensuite, il y a réunion à la ronde. Oui. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que j'ai été voir Liliana et Lebon pour dire il y a réunion, ils m'ont dit « comment ça ?» Je fais « bah, je sais pas, vous allez faire votre travail en fait, je sais pas. » Donc y a, donc du coup, on va à la ronde. Donc à la ronde, bah là, normalement, on doit voir à l'écran, là, il y avait donc Mortepel, l'Illuminé, Loyal, le Duc, et puis bah, la Duchesse, Lebon et moi-même. Voilà. Au niveau de la réunion, donc, on a tout balancé au duc. Hein. Liana a expliqué qu'effectivement c'était une sans âme. Lebon, il a expliqué que c'était un sans âme. Moi, j'ai expliqué que bah, ça va. Moi, je suis Jojo. L'âme. Et que bah, moi, je suis pas comme eux là. Voilà, j'ai rien à voir avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit ensuite? Il était demandé que Mortepel devienne directement le bras droit direct de la Duchesse. Oui, j'avais oublié ça. Ouais. Pourtant, c'est un truc hyper important. Ouais, moi, je m'en souviens parce qu'il a été dit « Oui, Jojo, je lui fais pas confiance, je l'aime pas. » Voilà. C'est très tout. C'est surtout qu'elle s'est permis de rentrer dans le duc en lui disant qu'elle aurait préféré te l'annoncer elle-même. Elle l'a limite voilà, un peu dit « T'abuses, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. » Et voilà. Du coup, elle a demandé à devenir l'équivalent de loyal, en fait, pour toi. Ouais. C'est ça. Voilà. Il passe ça. Donc, et puis ensuite, il va falloir, bah, en gros, préparer la suite, à savoir bah, expliquer pourquoi l'ancêtre il est pas là, gérer la ville et devenir plus fort pour se préparer au fait que l'Inquisition va forcément revenir. Parce que l'ancêtre est mort, donc du coup, à un moment, ils vont forcément l'apprendre. Et il va falloir gérer ce problème-là. Ouais, dans très longtemps. Oui, mais... Par l'époque. Oui, mais fatalement, ils vont l'apprendre. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Non. Là, je pense que vous avez pas mal de blabla à faire. Loyal a été plutôt discret durant cette réunion, il a rien dit. Vous voyez que Loyal, dans tous les cas, il a changé du tout au tour. Hein. Le duc est de retour, Loyal, c'est plus du tout le même qu'avant. Avant, il prenait la parole et tout, là, il s'écrase et il aide le duc à faire ce qu'il faut et à être là où il faut, quand il faut, quoi. Okay. Et il est tout le temps prêt à interagir, à intervenir pour lui. Il est même venu t'ordonner de goûter son vin à sa place. Donc tu peux voir que Loyal, il a pris une place tout autre. Ouais, effectivement. Et puis, voilà. Après, je sais que la Duchesse, elle a dit qu'elle voudrait discuter en tête-à-tête avec Mortepel, de sa future position ou pas, à voir ce qu'elle avait à proposer. Ça, Mortepel, c'est ce qu'elle a retenu. Et puis, sinon, c'est tout. Le reste, je crois que tout a été dit, donc... Bah, qu'on soit d'accord, l'une des premières choses qu'on va faire, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Léa, on va peut-être aller dans la cave des rapaces pour mieux fouiller l'hôtel sans âme. On y a été, on a exploré vite fait, mais on va peut-être mieux prendre possession de l'endroit. Ça peut faire partie du plan aussi, d'aller voir là-bas ce qui s'y passe. Ils ont peut-être un petit peu défoncé l'endroit, quoi. Mais justement, voir ce qu'il en est actuellement. Ouais. Bah, surtout découvrir à qui appartient cet endroit réellement, ça c'est aussi l'une des priorités, je pense. Je sais pas si on va pouvoir trouver à qui appartient l'endroit, il faudrait faire une embuscade pour trouver la personne, je pense, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, mais bon, c'est quand même important de savoir qui est responsable de ça, quoi. Bien sûr. Si seulement vous avez des gens que vous pouvez poster toute la journée et tout, ça serait fou. Non, mais ce serait fou, hein, on n'a pas ça. Ça serait dingue, imagine. Ouais. Alors tu dis, toi là-bas, tu attends là et tu me dis quand quelqu'un passe, un truc de fou. Ah, le petit Mika. Ouais, même le petit Mika, vous pouvez l'embaucher. Ou alors, le capitaine de la garde.
C'est discret, c'est discret, je pense. Bah ouais. Oui, puis en plus, tu pourras pas lui dire c'est qui, tu vois. Ouais, il a que ça à faire. Tu as vu quelqu'un, tu sais, il hoche la tête, c'est qui? Et merde, putain, notre plan! Il était pourtant infaillible! Non, mais à chaque fois, j'oublie, hein. Sinon, on va faire. Déjà, effectivement, je voudrais aller au sol. Mais si tu peux avec porte-pelle, d'abord, Yana. Voilà. Moi, j'ai comme idée quand même que la sans-âme, normalement, en ayant enfin, si elle voit à travers son miroir, elle devrait venir nous voir. Pas dit, hein. Ça serait assez logique. Bah, pas dit, hein. Tu sais pas, ça se trouve, selon qui c'est, peut-être elle a pas intérêt à venir nous voir, tu vois. Ouais. C'est ça, ouais. On sait pas trop qui c'est, si en fait elle nous aime pas ou je sais pas. Un peu tout double, ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas. C'est ça. Une sans-âme qui voit que la personne qui dirige le royaume est une sans-âme, je pense qu'elle doit se sentir bien quand même. C'est aussi. Ouais, oui, vu comme ouais, ça. Mais ça se trouve, elle a pas toutes les infos, tu vois. C'est ça aussi le truc, quoi. Elle a pas toutes les infos. Bah, elle sait pas. Comment dire, elle sait pas forcément si c'est. Bien t'allais te parler ou pas, elle sait pas trop commenter, tu vois, genre, comment dire, ça se trouve, elle te connaît pas assez, tu vois ce que je veux dire, c'est ça aussi le truc. Hein. Peut-être timide aussi, on sait pas, hein. Enfin, genre, je sais pas, tu vois. Mais timide. Non, c'est rien, tu vois, on connaît pas les gens, et les gens sont bien dans ton royaume, hein. Donc, C'est vrai les que t'en fais sont... partie, hein. Oh. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est ton royaume, quand même. Les gens sont bizarres dans ton royaume. Ton royaume, là. Les gens sont chelous. Donc, voilà. Incroyable. Du coup, on fait quoi? Bah du coup moi je m'entretiendrai bien avec Mortepelle. Ok. Bah moi je vais aller prendre possession de la cabane des rapaces. Ah ouais, carrément, monsieur fait valoir ce que de droit. Bah en fait il va falloir un nouveau chasseur, déjà. Avant de quitter la pièce, du coup le duc a sonné la fin de la route, du moins il a levé la séance. Ouais. Attends. J'attends. 5 euros. Non, pas encore. Au moment où le duc lève la séance, il fait un petit signe à Loyal, il hoche la tête, et Loyal vient vers toi, Jojo, et il te tend un objet. Il te tend un peu... c'est toi qui vas me la décrire, mais tu sais, dans Game of Thrones, il y a la main du roi, un petit écusson, tu vois. Qui te permet que tout le monde sache que t'es la main du roi et que donc tu peux parler en son nom. D'accord. Au secours. Donc tu vas me décrire cette babiole et Loyal te la tend. Il la sort de sa poche, a l'impression que c'était peut-être à lui, hein, ouais, jusqu'à ouais. présent ou quoi, et qu'il ne s'en était jamais vraiment servi. Et là, il te la tend, pas à contre-cœur, pas avec un sourire ni rien, il reste neutre, il suit les ordres du duc et il te remet Tu me le décris, tu me donnes une image, tu fais ce que tu veux, mais c'est toi qui reçois cette babiole. Du coup, moi je verrais ça plutôt comme une sorte d'écusson, enfin une sorte de limite de badge que je pourrais accrocher à. Donc comme à peu près dans Game of Thrones, un truc. Et ça représente quoi ? J'ai pas trop vu Game of Thrones, du coup je peux pas te dire. Ah, mais alors attends, je vais te donner une image tout de suite. Je vais te choper. Il donne une image comme à la maternelle, quoi. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. Ah bah attends, là, elle est sur les cuissons. Regarde, copier l'image. Je peux parler au nom du roi. Je te l'envoie. Effectivement, alors attention, c'est un gros cadeau que je te fais, mais je sais très bien pourquoi je le fais. Hein. Ok. Bah, copier. Et bah, okay, je l'ai collé, ça marche pas. Tu l'as ? C'est bon, je vois. Ok. Ouais, donc là, c'est une main qui est dans un cercle. Okay, ça, c'est une main dans un cercle, donc c'est un pinch. Ouais. En fait, on va dire, tu vois, un écusson, un pinch, je sais pas comment t'appelles ça, une broche. Une broche, putain, j'ai enfin trouvé le mot. C'est une broche que le mec, il met à son armure, à son vêtement, à ce que tu veux, et tout le monde sait que, bah, là, tu vois, là, ça en impose. Donc, il te donne ça, elle est tiède, hein, parce qu'elle est dans sa poche, apparemment, depuis okay. toujours. Et du coup, il te la remet. Ok. Bah, j'imaginais, effectivement, justement, un cercle comme ça aussi, pareil. Ah non, un cercle comme ça, avec une, comment dire... pas dire côté, mais en gros, il y aurait une croix au milieu. Et au milieu de cette croix, il y a justement une pierre qui symbolise la roche ronde, justement, tu vois.
D'accord, voilà. Bah faudra que tu me fasses un petit croquis, un truc ou quoi, comme ça je pourrais le mettre directement. Voilà. Voilà, évidemment, cercle d'or et tout, machin. Oui, bah ça, après, ça c'est pour ça, je te laisse libre cours à ton imagination, c'est toi qui le crée. Il te remet ça et Loyal te dit, à partir du moment où vous portez cet assigne, vous êtes intouchable. Vous êtes la parole du duc. Vous représentez le duc. Méfiez-vous, cet assigne est à double tranchant. Il se lève et s'en va. Hop, les deux ne sont plus là. Vous êtes à la ronde avec Mortepel et l'Illuminé. Vous me dites si maintenant, Duchesse, tu veux parler avec Mortepel, libre à toi d'envoyer se faire péter dans l'herbe les autres. Sinon, comme tu veux, quoi. Pelle, venez nous attendre dans mes appartements pour discuter seul à seul. Mortepel, venez dans mes appartements pour discuter seule à seule. À ces mots, elle se lève, elle salue et elle t'accompagne à ta chambre. Oh, j'aurais bien été pété dans l'herbe, moi, c'est dommage. Let's go! Elle vous a pas envoyé péter dans l'herbe? Oh, putain, trop gentille cette duchesse. Du coup, la duchesse s'en va. Vous êtes tous les deux avec l'illuminé à table. Il y a un petit silence. Et du coup, est-ce que vous dites quelque chose ou quoi? Ou est-ce que vous partez aussi? Non, bah moi je vais commencer à me lever et comme je t'ai dit, je veux prendre possession de la cabane de la passe parce que, comment dire, il va falloir un nouveau chasseur. En attendant d'en trouver un qui serait pas moi, pour l'instant ce sera moi puisque c'est, comment dire, je suis plus qualifié pour faire de la chasse, quoi, en gros. Okay. Nous n'oublions pas qu'on a ramené je sais plus combien de bonhommes du donjon qui Une pourraient faire. dizaine de gars qui vont aider à la chasse, ouais. Ils savent chasser, ouais, mais il faut, comment dire, je veux quand même, tu sais, genre gérer pour savoir s'ils savent bien chasser, si machin et tout. Je veux, voilà, je veux. Il va un Tu leader, veux être le quoi. formateur, quoi. Bah, Voilà, je vais les former. Je vais les former, je vais former les stagiaires. Et C'est vrai. après, voilà. Voilà. Mais je vais On est pas, mais je stagiaire. vais. Voilà. Mais je vais à la cabane des rapaces, puis déjà aussi voir l'état de la cave aussi. Voilà. Va falloir Voilà. effectivement redonner le bâtiment à quelqu'un parce que bah il y a tout l'attirail pour s'occuper de la chasse et des bêtes et tout. Enfin, s'il reste quelque chose. Cette cabane. Voilà. Donc on va voir. Déjà, je vais voir. Voilà. Ils vont tout cramer, c'est sûr. Non, mais déjà, je vais voir. Ok, donc toi tu t'en vas, tu dis quelque chose à l'illuminé ou rien à foutre ou ciao. Bah, je dis, hey, on n'est pas mort. Non, mais Il va se pavaner avec son insigne, celui-là, c'est sûr. Il non, va faire 3 fois le tour de la ville. Ah, mais. ça? Ouais. Non, c'est rien, c'est juste que je parle pour le duc, t'inquiète. Le duc, c'est moi. C'est le gars directement. Ouais, je suis le nouveau duc, ouais. Moi. Moi, c'est moi. C'est un peu moi. C'est moi qui chapeaute le. Je lui donne 2 heures avant d'être pendu. Alors, du coup, Non. let's go. Non, c'est ça. Non, bah, Waouh. je bouge. Mais pour un. Mais ouais, je mets mon. Écoute, je suis un peu content, je mets mon insigne, ouais. Je suis plutôt content. Et donc, du coup, je vais à la maison des rapaces. Voilà. Et puis je prends congé des deux. Je fais. Tu t'en Mais vas. bon. Alors du coup, je vous sépare, vu que vous quittez la pièce tous les deux. Hop, et hop. Le bon, tu es seul à table Ah. avec l'illuminé. L'illuminé est là, il a sa Ah, je babiole suis et tout. joie. Il est un peu gêné et tout, il te regarde. Il se lève et il vient vers toi. Oh merde. Du coup, alors, le bon, je pense qu'on n'est pas parti du bon pied que vous portez pas. Pas vraiment dans votre cœur, mais après tout ce qui vient de se passer, j'aimerais que l'on fasse table rase du passé. Il n'y a plus d'ancêtres ni rien pour nous mettre des bâtons dans les roues pour nous séparer, vu que maintenant le temps est à la prospérité, à l'acceptation de chacun les uns les autres. Donc, je voudrais savoir si vous seriez d'accord que on reparte tous les deux du bon pied, vu qu'on sert la même ville, la même cause, la même duchesse. Bah, tout ça, quoi. Moi, j'ai rien contre vous, je m'excuse pour le petit croche-pied que je vous ai fait au départ, tout ça, hein, bien sûr. Mais j'aimerais que l'on reparte sur de bonnes bases et qu'on puisse enfin se faire confiance et s'accepter, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'était même assez cruel de ma part d'entretenir cette relation entre nous qui était, voilà. Donc j'accepte volontiers qu'on reparte Ah, vous m'envoyez sur un ravi bon parce pied. que vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très sympa avec beaucoup de souffrance en vous.
Et vu qu'on sert la même personne et on est prêt à se sacrifier pour elle, ce serait dommage que on se tire dans les pattes alors que quelqu'un comme moi a besoin de quelqu'un comme vous pour me protéger durant mes incantations, par exemple, et quelqu'un comme vous a besoin de moi pour un petit soutien, un petit support, comme on a déjà réussi à faire des merveilles dans la caverne et ailleurs. Donc, vous m'en voyez ravi. Tu peux voir, ça a l'air très sincère et il te tend la main pour une poignée de main ferme et franche de bonhomme. Bah écoute, je lui serre la main franchement et voilà, c'est sincère. Ouais, je me dis que de toute façon, ouais, on était sur le point de caner ensemble. On a quand même vécu pas mal de choses, donc voilà. Je peux faire cet effort-là et puis passer à autre chose. Effectivement, je vous promets de ne rien faire pour vous mettre de travers, vous, la duchesse. Et si jamais, une fois, avec un peu d'humour ou quoi que ce soit, cela ne vous convient pas ou vous affecte, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'éviter, du coup, à l'occasion ou quoi que ce soit. Je sais que des fois, je suis un peu taquin, quand même, c'est mon style. Donc, n'hésitez pas si quelque chose vous dérange ou si vous voulez me parler de quoi que ce soit. Je pense que nous devons nous serrer les coudes au vu des problèmes à venir. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous m'en voyez ravi, c'est une épine en moi, dans ma chaussure. Si jamais vous voulez boire un coup à la taverne avec moi ou quoi que ce soit, si vous voulez faire une plus ample connaissance ou quoi que ce soit, je me tiens à votre disposition. En plus, je pense que la perte de l'ancêtre doit quand même vous affecter un peu. Donc si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, je vais aller à la taverne fêter ça avec mes gars, car enfin je suis libre et lavé de tout soupçon. Faut pas que j'oublie mes soldats. Vous serez le bienvenu en tout cas. C'est avec plaisir. J'ai juste une petite chose à faire avant. Eh bah, Je vous rejoindrai. je vous garde une chaise à ma table, à la taverne. Vous boirez ce que vous voudrez, c'est pour moi. Très bien, merci. Une merveille. Il se lève. Du coup, il était déjà debout, mais il s'en va directement. Tu es tout seul. Que tu fais? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'église de la Main Blanche et je vais voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des fidèles, des gens qui travaillent, qui sont tout le temps. Je vais voir si, je ne sais pas, si le fait que l'ancêtre ne soit pas là, si ça créer quelque chose, s'il y a des gens qui se posent des questions ou Tu vas voir quoi, ou près de qui. l'église, tout ça, tu vas un peu voir les fidèles s'ils sont devant ou des choses comme ça. Et même à l'intérieur, effectivement, je vais Ok. voir, Ça va je être vais trop faire un cool. tour, quoi. Excellent. Ok, nickel. Et bah, du coup, qui arrive en premier? C'est la duchesse. Après, c'est Jojo. Et après, c'est toi. Donc, je reviens. C'est bon pour toi? Oui, ça marche. Tu le vois comment? Le truc de l'illuminer juste, tu prends ça du bon côté, on va dire, ou c'était totalement focus, ou est-ce que tu es prêt à vraiment passer outre, vu que ce que vous avez traversé ensemble et tout, juger, don juger, combat, titan, tout ça, tout ça? Ah ben, je pense que non, c'était sincère. Et de toute façon, au vu de tout ce qu'on a déjà vécu, ça a commencé vraiment à être un peu débile en fait, qu'on soit en mode ouais, t'es pas mon copain, Ouais, ok. vieille chamaillerie de cours de l'école primaire. Donc, Je l'ai bien senti, c'est pour ça que j'ai agencé ça. C'est parfait. N'hésite pas à faire des trucs comme ça si jamais t'en ressens le besoin ou quoi. Et du coup, je te laisse te déplacer. Ah bah non, non, faut que je change de map, mais d'abord je dois faire la duchesse. il faut que je sorte. Désolé. T'iras péter dans l'herbe après, en fait. Allez, ah, C'est bon super. pour vous, c'est bon pour vous. Oh, Allez, une je reviens. merveille. Un truc comme ça. Ok. Bam. Je suis là. N'hésitez pas à le chat du coup si vous voulez utiliser des trucs pour faire des illustrations ou quoi avec les intelligences artificielles et tout. Je prends ça volontiers. Duchesse, es-tu là? Oui, je suis là. Duchesse, tu es dans tes appartements avec Mortepelle. Elle rentre là-dedans comme une gamine devant une maison de poupées de luxe. Est-ce que tu vois un peu le. Tu vois le roi, tu vois? Elle est là, elle en prend un peu plein la gueule, comme si elle avait jamais vu de chambre aussi cosy, aussi
princière aussi, duchesse aussi, tout ce que tu veux. Voilà. Oui. Du coup, elle est là et puis elle attend silencieusement. Elle a sa main sur le pommeau de sa pelle, je dirais, le manche. On va dire, elle se tient vraiment droite comme un chevalier, comme ferait Loyal, quoi, si tu veux. Mm-hmm. Donc elle est là et puis elle attend. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes sûr, j'ai peur de tâcher votre mobilier. Non, non, allez-y, asseyez-vous, voyons. Alors du coup, elle s'approche du fauteuil et s'assoit dessus en faisant gaffe de que sa pelle ne déchire rien ni quoi que ce soit. Et moi, je m'assois sur un fauteuil à côté. Eh ben nickel, vous êtes une à côté de l'autre. Et elle est là, elle n'en perd pas une miette. Tu la vois qu'elle est concentrée, elle est prête à... Comme si elle était en entretien d'embauche, elle est prête à négocier, à discuter, à tout ça, quoi. Alors, comme ça, vous voulez devenir ma conseillère ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous... Pourquoi, en fait, tout d'un coup, cette proposition ? Écoutez, depuis le début, Duchesse, je cherche qu'une chose, c'est monter en grade. Et j'ai vu votre énorme potentiel depuis le début. Vous êtes une femme forte, vous arrivez à faire changer les mentalités. Vous avez tout le monde qui vous suit et le respect de tout le monde. Vous êtes juste. Vous faites les choses bien, malgré que vous soyez une sans-âme, vous tolérez les hommes et vous travaillez même avec deux d'entre eux. Donc déjà, ça c'est inédit. Et j'aimerais vous servir et vous aider à aller le plus loin possible. Et parce que je m'en fais un peu pour vous. Je sais que nous sommes tout seuls, il n'y a pas d'oreille, on va dire, voulue. Et du coup, tu peux voir quand même pas, elle fait un petit droite-gauche, elle regarde que la porte est bien fermée et tout. Elle dit, j'ai de sérieux gros doutes quant à la... Comment dire ? L'honnêteté de vos deux hommes, le bon et Jojo. Notamment avec ce qui s'est passé à l'église et les différentes affaires dans lesquelles ils traînent. En tout cas, le bon, moi, mais Jojo, je lui fais entièrement... pas confiante. Il ment comme il respire et il pense bien mentir en plus, ce qui m'énerve de plus belle. J'ai l'impression qu'il me prend vraiment pour la dernière des demeurées et ça me met hors de moi. Je comprends. Plus maintenant il a l'approbation du duc. Ça m'a donné des frissons de dégoût de voir ça, mais écoutez... S'il fait du bon travail, d'après vous ou le duc, si vous avez accepté ça, soit, pourquoi pas, mais... Je m'en méfie comme de la peste de Jojo. J'ai l'impression qu'il attire les ennuis, car c'est lui qui provoque les ennuis, selon moi. Ouais. Ah, après... vous êtes d'accord, c'est... Déjà... Non, pas tout à fait. Ah, d'accord. Alors je vous écoute, dites-moi. Peut-être c'est moi qui me fais... fausses idées, hein, mais... Vous ne saviez pas que j'étais une sans-âme. Non, de pelle. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, il a bien fallu le cacher. Mmh. Et cacher ce que ça peut impliquer d'être une sans-âme. Donc il vous a aidé en mentant et en manipulant la vérité. Donc l'église au sud, c'était bien vous. Enfin, tout ça, on est d'accord. Bon, nous ne pouvions absolument pas le dire. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais... Va falloir qu'il apprenne à mentir un peu mieux ou à faire des histoires un peu plus cohérentes dans ce cas-là. C'est là que j'aimerais pouvoir vous aider et vous prêter ma forte, car vous savez que c'est moi qui dirige ces hommes, tous les hommes du Val d'Irel, et pour ceux qui restent en vie et les plus capables, ils me sont fidèles. À moi. Et elle te regarde avec un grand sourire. Ben j'en suis ravie. Mais si vous devenez mon bras droit, qu'en est-il de la garde qui va Non. Je continuerai dans la garde, bien sûr. Non. En fait, Duchesse, pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu le changement de comportement de Loyal et le duc reprendre du poil de la bête, je me suis dit que ce serait pas plus mal si vous ayez une alliée au rang dans les forces armées. Il y a beaucoup de fidèles soldats prêts à la suivre. Et à combattre, pourquoi pas, le duc, besoin. Il y avait déjà mes hommes, ceux de l'Illuminé. Le duc se retrouvait avec une dizaine
à tout casser de blaireau, on n'aurait pas eu de mal à le renverser. D'accord, ok. Comme ça, le duc avait son plan, il ne m'a pas tenu au courant. Moi, j'avais le mien au cas où ça tournait mal, car j'ai bien vu l'ancêtre dire qu'il allait mettre à mort, et le duc a acquiescé. J'avais déjà prévu au cas où ça tournait mal. D'accord. Mais il y avait un vrai plan avec les hommes de l'Illuminé ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, nous étions prêts à nous battre. J'aurais lancé une révolte. J'avais de quoi les siffler pour qu'ils accourent. Ils étaient tous armés et prêts à intervenir. D'accord. Au moindre signal, ils seraient tous débarqués pour venir nous sauver. Mais Titan a fait l'affaire. Je m'attendais pas à ça de lui. Je le voyais beaucoup plus de la main blanche que ça. Et au final, je le respecte d'autant plus. Mais nous n'avons pas eu besoin. D'accord. Et actuellement, du coup, là, les hommes de l'Illuminé, ils sont pas au courant. Mais est-ce qu'ils savaient de quoi ils retournaient, de ce qui s'est passé ? Je sais pas s'ils ont bien saisi. Tout ce qu'ils ont vu, c'est que depuis qu'ils avaient rejoint le Val d'Irel, leur dirigeant illuminé se retrouvait très souvent au fer, humilié par l'ancêtre, etc. Ça commençait un peu à chauffer. Pour tout vous dire. D'accord. Faudra les prévenir que tout va bien. Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas. Je pense que l'Illuminé s'en chargera et leur fera un petit discours comme quoi, ça y est, Val d'Irel accepte et que tous ses péchés sont oubliés. En plus, maintenant que l'ancêtre est parti en pèlerinage, il a quelques temps devant lui pour être tranquille. Oui. Effectivement. Très bien, mais écoutez, je vois pas de raison de refuser ce que vous me proposez, donc nous vous ferons installer des appartements dans le manoir, si ça vous va. Je peux voir ses yeux qui s'écarquillent, il dit alors Duchesse, je ne dis pas non pour quelques nuits car la garnison c'est un peu raide, mais je ne dormirai pas tout le temps là, je resterai quand même avec mes hommes de temps en temps. Oui, bien sûr, faites comme et vous voulez. Et comme première demande que je vous ferai, Duchesse, je voudrais que l'on mette en place, alors, pas tout de suite, hein, mais dans un futur proche, pour bien montrer que nous aussi, on sait ce qu'on vaut et tout ça, j'aimerais que l'on ait aussi une sorte d'insigne, comme Jojo vient de recevoir. Cela ne vous dérange pas. Que l'on mette en place, vous et moi, une insigne comme ça, où je pourrais... représenter ou pourquoi pas, mais pas tout de suite, hein. Dès que vous pensiez que vous pensez que je serai digne de porter cette assigne et de parler pour vous. Parler pour moi, effectivement, on va attendre encore un petit peu. Ah non, mais c'est exactement ce que je vous dis. Dès que vous pensez que c'est le bon moment, je tiens à ce qu'on ait aussi notre mot à dire et qu'il n'y ait pas que les hommes qui soit mis en avant, cette ville. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je compte sur vous, effectivement. C'est sûr que depuis le début, vous faites largement vos preuves. Mais voilà, c'était une idée comme ça. Yes. Si on en a fini, je retourne à mes occupations. Très bien. Mais merci pour votre loyauté, Mortepelle, et on se voit plus tard. C'est tout à fait normal, Duchesse. Une bonne journée. Bonne journée. Je sais plus quelle heure il est, ni quoi que ce soit, donc... Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, faudra que je demande à Jojo. Et voilà, Girl Power, exactement. Du coup, c'est tout bon pour toi. Tu sais où tu vas après, ou quoi que ce soit ? Là, pas du tout. Je pense que je vais rester un petit peu dans ma chambre pour accuser un petit peu le coup. Un petit peu tranquille. Voilà. Adélaïde qui vient s'occuper un peu de toi ou quoi que ce soit, peut-être. Parce qu'Adélaïde va peut-être falloir avoir une discussion avec elle. Oui, ce que j'allais dire, c'est... Oui. Si Adélaïde, oui, on peut parler aussi avec Adélaïde, oui. Dans tous les cas, tu sais quoi, ce qu'on va faire, Mortepelle quitte la chambre, et c'est Adélaïde, du coup, qui rentre, qui vient de voir que la chambre est libre, et elle vient te voir, te demander si tu as ce que tu veux, et on fait ça juste après. Je te laisse réfléchir, déjà. Je reviens. El Jojo. Oui. Tu
Arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Ils ont vu ta broderie et c'est pas beau à voir. Let's go. Alors, du coup. Justement, par rapport à ça, en fait, la broche actuellement, la façon dont je le porte, alors je la mets, comment dire, j'expose pas, je la mets pas sur mon cœur, machin et tout, mon gradé. Non, en fait, je la porte. Et en fait, justement, sur le trajet, je regarde un peu le regard des gens pour voir justement s'ils me regardent en mode t'as vu, il approche, ou plutôt s'ils s'en foutent un peu, quoi. Alors, en fait, je teste pour voir quel impact ça a sur les gens. Quelle réponse ils font à ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plutôt ça. Mais comment dire, je suis toujours moi-même, c'est-à-dire que je suis pas en mode t'as vu, regarde, hein, ça c'est mon insigne. Tu me donnes respect, hein. C'est moi. Non. Voilà, bon gosse, non. Non, je suis pas comme ça pour l'instant. Du coup, ça fait quoi d'être considéré comme ça? Tu t'attendais à ça, du Duc? Bah oui, non. Alors, je m'attendais pas à un objet qui représente ça. Mais en fait, je me suis toujours considéré comme faisant partie de la ronde tout le temps. C'est-à-dire que c'est quand même. Comment dire? Même si officiellement, je dirigeais pas des trucs, officieusement, c'est quand même beaucoup moi qui chapeautais plein de choses. Donc pour le coup. C'est-à-dire que maintenant. C'est un peu logique, quoi. Que maintenant on met ça de façon un peu plus officielle, ce mode d'accord, je vais enfin pouvoir dire bon, tu fais ça, et si on me dit non, je dis non, par contre, tu fais ça maintenant. Voilà. T'auras la légitimité sans avoir maman derrière. Mais j'étais déjà assez respecté avant sans ça, donc ça me c'est juste un truc en plus pour que ce soit un peu plus rapide quand je donne des ordres, quoi, en gros, quoi. Ouais, comme ça, t'es vraiment en mode official, quoi. Voilà, c'est officiel. Voilà, ok. Du coup, tu te balades du coup dans la rue. Ouais, oui, tu vas pépère tout ça. Et du coup, tu peux voir qu'il y en a certains qui tiquent, mais vraiment très peu, quoi. Il y en a un ou deux qui le voient, mais beaucoup ont peut-être oublié l'existence de ce machin. Ok. Voilà. En gros, effectivement, du coup, je le laisse. Ça peut servir de rappel si jamais vraiment il y en a un qui me saoule trop, tu vois, qui me saoule trop, je pourrais dire, bon, par contre, je représente le Duc, tu vois, tu vas me parler mieux, tu vois, mais je le mets et je suis pas, justement, je la joue pas avant tard, justement, je me bats tranquillement jusqu'à la zone de rapace et je veux voir qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi, voilà. Ok, nickel. Du coup, tu te balades, tu vas voir devant chez les rapaces, sans problème, tu y arrives. Et ce que tu vois, c'est que la porte a été défoncée. Quand je dis la porte, il y a le mur peut-être un peu qui a morflé aussi. Hein. Mm-hmm. Au moment où tu rentres dans la maison, tu peux voir que tout a été retourné. Mm-hmm. Quand tu vas en bas, tout a été fouillé, méticuleusement retourné, limite brisé, cassé. Et quand il s'agit de rentrer dans l'ancien hôtel... Et tu peux voir que le mur a été complètement éboulé et apparemment toute la salle a été ensevelie. D'accord, quand c'est enseveli, c'est réparable, c'est comment là ? Là, t'as un gros tas de cailloux devant toi, vraiment, tu vois, tu peux pas passer, tu vois, c'est pas atteignable pour le moment en tout cas. Mm-hmm. Ça demanderait de mettre des hommes sur le coup pour tout déblayer et essayer de récupérer l'accès, quoi. Donc, écoutez, je regarde, il va falloir faire un constat. Alors là, l'assurance, je sais pas si elle va tout couvrir. Je sais pas, j'en monte. C'était, j'en monte, je suis en mode bon, oui. Bonus, malus, ça va être chaud. Honnêtement, je me dirige tranquillement vers la garnison. va falloir voir ces branches. C'est le moment de voir si ces branches fonctionnent, quoi. Allez. Là, je me dis, du coup, je vais à la garnison. Tu vas à la garnison, ouais. Il n'y a pas mortepelle, il y a les soldats, c'est toi qui sont là, j'essaie d'en voir un qui m'a l'air quand même un peu plus radical que les autres, tu vois. Je ne vois pas un troupeau de base, je vais voir un mec qui est un peu plus haut que les autres quand même, tu vois. Du coup, au bout de quelques secondes que tu attends là, que tu regardes un peu, que tu scrutes, il y en a un qui vient vers toi, qui enlève son casque, qui le met sous le bras, et qui vient devant toi et qui te dit « En quoi puis-je vous servir ? Mortepelle est absente, dites-moi. » Alors, il faudrait déblayer la cave des rapaces. Il faudrait que tu charges un groupe d'hommes pour déblayer la cave, tout simplement. Donc, prends des hommes plutôt costauds qui savent gérer ça. Que tu peux me trouver ça. Déblayer la cave de qui? Des rapaces. Des rapaces, c'est les chasseurs, c'est ça?
Moi, c'est ça. C'est ça. Je sais pas où ils habitent et je tiendrai à former Mortepel. Je lui donnerai du coup notre requête et je verrai qui elle veut mettre sur le coup ou pas. Okay. C'est juste à côté, hein, pour le coup. Je pense qu'on voit la maison hein, depuis là. Mais tu vois, c'est là. Ah, c'est la maison que le capitaine a fouillée avec l'ancêtre et le duc et tout. C'est ça. Et vous voulez qu'on déblaye du coup la cave, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Très bien, et ben j'en ferai part à Mortepel. C'est ça, et... bah. Parfait, bah pense bien à remonter l'info parce que du coup je vais lui redemander après, donc n'oublie pas. Ah non, non, vous êtes venu, okay. Jojo nous a demandé de déblayer la cave et si elle accepte, nous irons. Ok, super, super. Bah bonne journée. Merci à vous. Et du coup, il remet son casque et il retourne s'entraîner avec tout ça. Voilà. Et en quittant voilà. Les lieux, tu vas où? Il y a deux qui font 10. Et ben, je vais où? Je voulais aller parce que du coup, c'est un PNJ à qui je voulais un peu plus parler, et je ne vais pas trop parler. Je voulais parler à et ben, j'ai oublié son nom, tiens. Barban. Tu voulais aller parler à Barban? Ouais, je voulais parler à Barban, ça fait bah parce que déjà il a quand même vu des choses. Je voulais avoir son avis aussi sur qu'est-ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé, tout ça, parce que bah, il était là hein, tout de même. Mmh. Donc je voulais avoir son avis, parler un peu avec lui, qu'est-ce qu'il pense un petit peu de la situation, tout ça. Barban, il avait quitté les lieux avant le drame, hein, avant que tout parte en couille, on est d'accord. Hein. Ah, il était parti avant? Ah oui. Parce que moi dans ma tête, il était là pendant le massacre. Hein. Il était là pendant le massacre, Barban? Bah, pour moi, oui, à aucun moment. Il n'a pas été envoyé péter parce qu'il faisait que de parler? Non, justement, à aucun moment tu n'as dit Barban partait, hein. Tu ne l'as pas dit. Ah merde, bah peut-être alors, ok. Voilà, c'est pour ça aussi, je veux avoir son avis, tu vois. Voilà. Donc, okay. J'y vais, quoi. Voilà. Hop. Bim bam boum. Du coup, tu arrives. Il n'y a plus de garde devant parce qu'il n'y a plus de raison vu que les morts ne se lèvent plus. Ouais. Et du coup, Barban est là. Il est en train de creuser une tombe tranquillement. Ok. Et bim bam boum. Et bah, j'arrive à lui. Je fais genre bonjour. Barban se retourne. Ah, Chucho, faites bien. Bien le bonjour. Bah, enfin, bonjour. Rebonjour. On s'est vu il y a peu. C'est ça, tout à fait. Tout va bien? Oh bah, tout va bien, c'est un bien grand mot. Écoutez, j'ai assisté à un jugement, c'était ma première fois. Je m'attendais à autre chose, parce que, à ce qui paraît, les gens pouvaient se défendre, normalement, et ça partait pas dans tous les sens comme ça. Là, il y a eu pas mal de meurtres, de tueries, donc apparemment, faut garder ça pour nous, donc je ne dirai rien. Mais c'était quand même assez sanglant et j'aurais aimé en savoir plus sur l'affaire parce que là j'ai été convoqué un peu comme ça. On m'a posé 2-3 questions et puis après on m'a plus rien demandé. Mais je pense que j'avais encore 2-3 choses à vous apprendre. Mais comme d'hab, on me laisse pas parler donc. Tu voulais vous dire quoi en plus? Ben, je sais pas. En ce moment, la chasse, c'est plus trop ça. Il y a plus trop de bouffe qui rentre. Enfin, ça, c'était les 2-3 derniers jours. Tombe, niveau bois, il a ce qu'il faut. Ça, c'est bon. J'ai remarqué aussi que Titan avait du mal à se faire approvisionner. Il avait environ 25% moins de fer que d'habitude. Enfin, de minerai, tout ça, je vous passe les détails. J'ai remarqué que nous sommes passés, du coup, en mauvaise saison aussi, il y a quelques jours. C'était le solstice d'hiver. C'est le moment où, vous savez, la Terre est le plus éloignée du Soleil. Vous savez, vu que nous, on tourne autour. Ça va? Voilà. Non, je ne vais pas vous réexpliquer, je sais que vous êtes intelligent. Et du coup... Juste, MJ, est-ce que mon perso peut vraiment savoir que t'as ton autour du Soleil? Bah, à cette époque, c'est pas trop ça, quoi. Pas trop ça. On est vraiment, tu vois, à l'époque où c'est la religion au centre, donc la Terre... Ouais, après, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc... C'est possible que je le sache aussi, tu vois, genre, tu sais, j'ai beaucoup de bouquins et tout, c'est pas impossible que je sache, quoi. Non, mais après, voilà, mais après, je sais que là, du coup, vu de la conjoncture actuelle, si c'est fini la main blanche et que c'est un homme et une femme qui dirige, je pense qu'on va vers une ère, on va dire, d'entente où l'équilibre pourra peut-être revenir. J'ai hâte de faire mes statistiques là-dessus, mais à savoir que dans le royaume, il me semble qu'il n'y a que
3% de femmes vraiment dirigeantes, je veux dire en, vraiment en solitaire, environ 10% de rois, de ducs qui dirigent avec leurs femmes, enfin bref, c'est des détails, mais c'est des choses comme ça. Sinon, les tombes se creusent facilement, avec la pelle que j'ai imité, la pelle de Marthe-Pelle, comme vous pouvez le voir, et puis il te montre sa pelle, elle est toute aiguisée et tout, il dit, c'est pas pour rien qu'elle est comme ça, sa pelle, et grâce à ça, j'ai gagné environ 65% de vitesse pour chaque enterrement, donc c'est plutôt efficace, mais un peu de manœuvre en plus ne serait pas de refus, mais voilà, grosso modo. Mais là, on est bien d'accord que le pourcentage des morts qui se relèvent est passé à 0%. Nous sommes totalement à 0%, je n'en ai plus qui se relèvent. Alors moi, on m'avait interdit de faire mes expériences, tout ça, bon, pas que la curiosité me brûlait tellement que j'en ai pas fait une ou deux de plus, mais bon, voilà, ça reste entre nous, je vous fais confiance. Bien sûr. Mais voilà, je sais que vous êtes un homme curieux, moi je ne peux pas m'empêcher de faire des expériences, mais là on est à 0-0, il y en a plus un, bah d'ailleurs, il te pointe dans un coin là-bas, regardez, celui-là, j'ai pas fini de l'enterrer, j'étais en train de creuser justement, et ouais. Bah il bouge pas, hein. Pourtant il n'a rien, sa cervelle est intacte, donc rien du tout. Il n'a pas été brûlé ni quoi que ce soit, mais il ne bouge pas, plus rien du tout. Au niveau des expériences complémentaires que tu as pu faire un petit peu en douce, tu as pris des choses en plus ou... J'ai regardé si à mort, comment dire, pas s'accoupler, mais essayer de relever un autre qui était vraiment mort, vous savez, avec la cervelle, tout ça, etc. Non, pas moyen, ils n'ont pas moyen de se relever. Et j'ai essayé donc de prendre un cadavre frais et de l'enterrer directement avant qu'il se réveille. Et bon, je vous le dis qu'à vous, mais 2 jours après, je l'ai déterré et il s'était réveillé dans la tombe. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le soleil ou quoi que ce soit. Je ne sais pas l'expliquer, mais il y a une force qui permettait de les relever sans même y toucher ou y avoir accès. Et ça, c'est fort parce que j'ai bien veillé à ce que la tombe ne soit pas réouverte ou quoi. Donc, il y a quelque chose, peut-être une magie ou quoi que ce soit, qui faisait que les morts se relevaient. Et donc, ce n'était pas quelque chose, on va dire, de viral ou un virus, une bactérie ou quoi que ce soit qui affecte les gens ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pur et dur de la magie. J'en suis sûr à 99%. Effectivement, tu as bien deviné, c'était bel et bien un mal magique. Effectivement, tu avais raison. Oh! Et comment vous savez ça? Mais parce que s'il n'y a plus de mort qui se relève, c'est bien sûr que j'en suis pour quelque chose. Bah, dites-moi tout, je vous écoute. Bien. Ah oui, bah, tout à fait. Bah, en gros, il y avait basiquement une malédiction qui englobait un point précis dans la forêt, si tu veux. Oui. Et à partir de là, en fait, si tu veux, la malédiction s'est répandue de plus en plus jusqu'à atteindre le Val d'Irel et les alentours, si tu veux. Et donc du coup, nous avons mis fin à cette malédiction. De ce fait, effectivement, il n'y a plus de morts vivants qui se relèvent, comme tu peux le voir. Donc effectivement, c'était bien mal magique, tu avais raison. Donc il y a une entité qui faisait se relever les morts, c'est ça, Sylvie? C'est ça, il y avait une entité en tout cas qui se faisait se relever les morts. Et vous avez mis fin à ça. Comment avez-vous mis fin à ça? Comment avez-vous convaincu cette entité, ce dieu ou cette déesse, je ne sais pas, En gros, sa sépulture avait été profanée. Quelque chose lui avait été volé, un artefact à elle avait été volé. Ce serait une sorte de malédiction ou de vengeance d'outre-tombe. Exactement ça. Et donc on lui a ramené. Et quand on lui a ramené, elle a tenu sa promesse et le mal s'est arrêté. D'accord. Bah, du coup, j'ai fait tout mon rapport. Excellent. Je n'ai plus rien à vous dire et sachez que je pense que nous avons un petit moment de prospérité, mais d'après mes calculs, ça ne devrait pas durer. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un petit doute sur les agissements de certains, mais je vais continuer mon enquête. Très bien. Mais écoute, j'apprécie du coup les rapports que tu me fais, donc n'hésite pas à m'envoyer un message, à venir Pardon? À me parler ou quoi. De quoi? Vous avez dit quoi? J'apprécie les informations que tu me donnes. Ça va? Alors là, c'est... Il faut voir qu'il est complètement sur le cul. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Vous êtes malade, peut-être? Grand Dieu, non, j'espère pas. Enfin, je touche mon front. Non. Moi, j'avais dit ça auparavant. Tout le monde me dit de la fermer à la moindre phrase. Là, déjà, vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est déjà un miracle. Alors, écoutez...
Oui. Oui. D'accord. Écoute, bonne journée à toi. Continue à faire ton travail. Là, tu peux ralentir un peu la cadence, hein, puisque de toute façon, il n'y a plus de mort-vivant qui se relève. Hein, donc, tu es un peu plus tranquille. Et du coup, je passerai te voir à l'occasion si jamais t'as plus d'infos à me donner par rapport à le mauvais pressentiment que t'as, on va dire. Si t'as plus d'infos à me donner là-dessus, tu n'hésites pas surtout. Hein? D'accord. Il se dirige vers toi et il te tend la main. Ah, bah, voilà, je la main. Et tu lui serres la main, tu peux voir qu'il serre la main franchement. Il prend ta main, mais vraiment comme si c'était la main d'un vieil ami. Et ouais. Tu peux voir qu'il a une petite larme qui coule au coin de son œil. Je m'y remets. Je fais un sourire, je tapote l'épaule. Et je fais bonne journée à toi, Brabant. Merci. À plus. Il se retourne et tu l'entends dire, c'est la première fois qu'on me dit comme... D'accord. Et bah c'est sympa. Et du coup, mais tu t'en vas. Je te laisse choisir où tu vas après. Je vais voir le bon. Ouais. Mon petit le bon. Oui. Tu peux te déplacer en direction de l'église. De la chapelle. De la chapelle Sixtine. Hop, hop. Tu te balades dans la rue, les gens ont commencé à rentrer dans la ville, tout ça. Et tu peux voir que les portes sont fermées. Et il y a des gens qui sont devant, notamment des enfants de l'église qui attendent. Et au moment où tu arrives, ils font « Ah, le bon !» Enfin, peut-être pourrais-tu ouvrir l'église et nous dire où est l'ancêtre ? Ah, bonjour. Attendez, je vais voir ce qu'il y en est. Je sais pas exactement. Attendez. Du coup, est-ce que l'ancêtre ? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh, très bien. J'espère qu'il lui est arrivé. C'est rare qu'il ne soit pas là. Après, ça ne doit pas être grand-chose. Je vais aller aux informations. Rassurez-vous, je vais. Attendez, je vais essayer d'ouvrir les portes, du coup. Du coup, est-ce que j'ai... Et donc, les portes sont fermées à clé, verrouillées ? Est-ce que... Non, c'est fermé, physique. Juste fermé ? Ouais. Ok. Donc, je viens, j'ouvre les portes. Tu cliches, et bim, la porte s'ouvre. Parfait. Du coup, j'avance et je dis, venez avec moi, vous pouvez entrer. Les gens rentrent et sont contents, ils te suivent et rentrent, du coup, dans l'église. Oui, les deux péquenots, là, barrez-vous. Cassez-vous. Les gens rentrent dans l'église et puis, voilà, ils sont happy. Ils sont happy. Ok, du coup, je me balade aussi un petit peu dans cette église là. Je vois est-ce qu'il y a des choses notables. Est-ce que du coup c'est comme d'habitude? Rien de notable, c'est totalement comme d'habitude. L'ancêtre ne se tardait pas à mourir comme ça, ni quoi que ce soit. Donc rien du tout. Par contre, les gens sont là, s'installent et attendent pour rire. Et du coup, ils te regardent tous. Tu regardes du coup un peu l'hôtel, tout ça, tu te balades et tu peux voir qu'il y en a deux, trois qui ont un regard un peu suspicieux, quoi, en mode Ouais, du coup. Du coup, je suis en train de me tâter, je suis en train de me dire, est-ce que par hasard. Pas devant tout le monde. Hein. Je connais, je dis dans ma tête. Pas toi déjà, tout le monde, vas-y. Moi, je suis en train de me demander si ce serait pas moi qui ferait la petite prière du jour. Ah, let's go, vas-y, improvise-moi une prière, s'il te plaît. Vends-moi du rêve. Donc, on est d'accord, il y a dans l'église, donc l'ancêtre y habite. Ouais. Y habiter. Mais du coup, il y a aucun de ses fidèles qui y habite aussi. C'est il y a que lui. Ah non, il y a que lui. Il y a que lui dans les locaux. D'accord, ça marche. Je m'annonce à. Je parle à l'assemblée. Écoutez, installez-vous.
Préparez-vous pour la prière du jour. Je vais voir dans les appartements de l'ancêtre s'il n'est pas là-bas. Et je reviens vers vous. Ok. Du coup, tu te déplaces, tu vas pour rentrer dans les appartements de l'ancêtre. La porte est fermée à clé. J'imagine. Très bien. Bon. Je m'occuperai de ça plus tard. Donc, je retourne vers l'assemblée. Je me mets. J'imagine qu'il y a des petites marches, un petit présentoir Un pour se hôtel mettre. et tout, tout ça. Tout à fait. Donc, je me mets à ce niveau-là. Écoutez, l'ancêtre n'est pas là apparemment. Mais ce n'est pas bien Et il grave. est où? Ben écoutez, il a dû avoir quelque chose d'important à faire, rien de grave, rassurez-vous. Je vais aller aux nouvelles après. Mais en attendant, c'est moi qui vais me charger de la prière du jour, si vous le voulez bien. Oh bah totalement oui. L'ancêtre vous avez tellement en estime, j'estime, je pense que ça lui ferait plaisir que vous assuriez l'intérim en attendant son retour. Très bien. Je vous en prie, installez-vous. On va Vous pouvez voir commencer. que tout le monde s'assoit. Il n'y a plus un bruit. Il y en a deux, trois qui se posent des questions, un peu en mode c'est mal ça, et pourquoi l'ancêtre est pas là? Habitude et tout, t'entends un peu chahuter tout ça. Après, en vrai, c'est déjà arrivé que l'ancêtre ne soit pas présent et que ça soit quelqu'un d'autre qui officie la prière du jour. Ouais, mais pas sans prévenir quoi. C'est vrai. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui le remplace ou quoi, ou il dit quand il part en voyage, il le dit à ses fidèles et tout. Surtout qu'il aimait bien vendre comme quoi il va repousser les démons, etc. Tu vois, ça fait Tout à pub à fait. la main blanche et là, bah là les gens n'ont pas été mis au courant donc c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, bon, on imaginera un truc plus tard. Très bien. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour la prière du matin. On est bien le matin. Je sais plus. Hein. Attends, je vais juste demander à Jojo. Parce que vous étiez rentré. Je sais plus quand est-ce que vous étiez rentré. C'était le jour, la nuit. J'ai plus Je sais aucune plus. idée. Attends 2 secondes. Vas-y. Vas-y. Mon petit Jojo. C'est moi. Je sais plus si on est le matin, l'après-midi, la nuit. Est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a plus personne qui sait. Wow. Alors. Hein? Ouais, hein? Alors, bah, on est. En Ouais. fait, c'est un problème, c'est qu'on est. Comment dire? On est revenu. Et à partir du moment. En fait, vu qu'on est. Vu qu'on est revenu, on a été à la tombe de. Ouais, de la Machin. nana, ouais. Nanana. Ensuite, il y a eu jugement. Ensuite, il y a eu truc machin. Bon, écoute, si on arrivait le matin, là, on est au moins milieu d'après-midi. Hein. Enfin, genre, avec tout ce qui Ouais, s'est bon, passé. 16, un truc comme ça, 16, 17. Voilà, C'est quoi, on va moi, je dire te que c'est dis. 18, c'est l'heure de l'apéro. Et moi, je te dirais, c'est l'heure d'apéro. Hein. 18, c'est prière du soir, tout Voilà, ça. parce qu'avec tout ce qui s'est passé, bon, T'inquiète là. même pas que le bon, il va me faire une prière, là, à la place de l'ancêtre. T'inquiète même pas, c'est Let's. lancé. Il va te raconter ça, ce Let's. sera une merveille. Let's go. J'y retourne. Allez, c'est parti. Du coup, on a tablé sur un petit 18-19, c'est la prière du soir, quoi. Ok, La très prière du bien, soir. nickel. Du coup, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis en cette soirée pour la prière d'après-manger. Il est vrai que ces derniers temps, nous avons eu du sang à nous faire sur la situation. Des choses terribles se sont passées, mais nous nous sommes toujours relevés. Toujours plus forts, toujours plus fiers. C'est avec une grande humilité et un grand respect que je me dresse devant vous pour faire cette prière. Je voudrais que nous repensions à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour le Val d'Irel, pour la main blanche. J'aimerais que nos prières aillent à ces personnes. Et je souhaiterais que chacun d'entre vous pense très fort à une de ces personnes lors de cette prière. Je voudrais sincèrement leur rendre hommage ce soir. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, prions ensemble pour la main blanche. Du coup est suspendu à tes lèvres, ils font tous le signe
de la main blanche avec leurs mains. Je m'exécute aussi. Et je crois que d'après un petit peu les habitudes, donc il faut que chacun d'eux s'approche de la statue, la touche, quelque chose comme ça. Exactement. Très bien. Du coup, je me poste à côté de la statue et je leur fais signe du coup d'approcher. Tout le monde se lève, la tête baissée, et au moment où ils apparaissent devant toi, ils te font le signe de la main blanche bien haut à toi, et ils touchent la statue avec cette même main directement. Ils baissent la tête et s'en vont, les uns après les autres. Très bien, donc je laisse tout le monde passer, je leur fais des... Le dernier est passé, et d'habitude l'ancêtre termine en rendant hommage, vu que tout le monde a rendu hommage au dieu unique, blablabla. Bla bla. Vous pouvez retourner à vos occupations, tout ça. D'habitude, il conclut comme ça. Bon, je vais faire de même, je vais pas casser ces habitudes-là. Je les remercie d'avoir participé à la prière du soir, pour leur dévotion. Et je leur souhaite bonne nuit. Et du coup, ils s'en vont tous, l'un après les autres. L'église se vide. Que fais-tu maintenant? Tu as pu voir qu'il y en a certains qui sont un peu inquiets de ne pas voir tout ça, de ne pas voir l'ancêtre, etc. Et de ne pas avoir eu de réponse de où il est, tout ça, etc. Et c'est tout. Sinon, tout s'est bien passé. Il y en a beaucoup qui étaient contents de te voir officier, etc. Donc voilà. Très bien, donc je me note dans un coin de ma tête qu'il faudra effectivement faire un communiqué par rapport à ça, de ne pas laisser du coup le peuple du Val d'Irel s'imaginer des choses, puisque... Ah, ils sont rapides là-dedans, tu le sais. Effectivement, les rumeurs vont montrer. Fâcheuse tendance à imaginer des choses incongrues. Exactement. Donc ouais, je me dis qu'il va falloir, faire quelque chose rapidement pour ça. Et donc, tout le monde est parti, hein, dans l'église, il n'y a plus personne. Dans l'église est vide. Très bien, donc je fais un dernier petit tour, voir si tout le monde est bien parti. Et je me dis que pour l'instant, pour ce soir en tout cas, je ne vais pas aller plus loin. Je vais refermer l'église, je vais ressortir. Et je vais aller à la taverne pour retrouver effectivement l'illuminé et ses compères. Ça marche. Bah du coup, je te laisse te déplacer à la taverne, je reviens. Ça marche. Duchesse ! Oui ? Cette soirée est full solitaire, dis donc. Tout le monde a des choses à faire dans son coin, c'est fou. J'essaye d'aller du plus vite que je peux, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de choses à faire et à dire. Et du coup, toi, tu es dans la chambre avec Adélaïde. Hop, let's go. Adélaïde est là. Elle vient voir que Mortepel est sorti. Elle vient de voir que Mortepel est sorti, du coup elle rentre dans la chambre et elle a deux tasses de thé sur un petit plateau. Merci Adélaïde, je vous en prie, asseyez-vous. Elle s'assoit juste à côté de toi, elle prend sa tasse de thé, qu'elle touille avec sa petite cuillère. Genre, elle s'était fait un thé pour elle, un thé pour moi, quoi. Ouais. Ça, elle l'avait jamais fait. Non. Non, on est d'accord. Non. Comment allez-vous ? Écoutez, un peu engourdi encore par tout ce qui vient de se passer. Et vous ? Ben, je pense que je vais dire la même chose que vous. Ouais. C'est assez compliqué. Dirons-nous. Ouais, mais c'est une bonne chose que l'ancêtre nous ait quittés. Oui, complètement, complètement. J'en suis très heureuse. J'aurais peut-être préféré que ça se passe autrement, mais le résultat est ce qui compte le plus. Ah, le résultat est plutôt bon. On a évacué une tête pensante de la main blanche. La ville vous appartient presque. Non, ça m'a l'air pas mal. J'ai vu Mortepel ressortir plutôt satisfaite de votre chambre.
Je suppose que vous avez peut-être un plan pour la suite. Vous n'avez pas l'air mal en point, donc... Oui. Tout va bien, ouais. Effectivement. Alors voilà, quoi. Vous vous sentez... bien ? Vraiment ? Oh, comment dire, c'est un peu compliqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti des choses comme ça. Et de pouvoir déplacer librement, de revoir les mortels, c'est un peu bizarre, là... mais effectivement, ça reste d'accord. Plutôt sympa. Dis-moi. C'est bien agonie. Ah, je sais pas. C'est en RP que tu demandes ça ? Ouais, ouais. Alors, elle te regarde, elle écarquille un peu les yeux, elle dit, bah, évidemment, ma sœur, qui d'autre ? Je préfère demander. Oui, vous faites bien, alors. Dorénavant, je ne parlerai... Adélaïde n'est plus là ? Ah, si, non, mais si, mais là, je pense qu'il était important qu'on discute un peu tous les deux entre sœurs. Voilà, qui décide de prendre le dessus ? Vous ou elle ou vous ? Bon, alors je peux vous dire que vu dans l'état dans lequel elle est, et surtout que bah, apparemment vous l'avez réanimée, vu qu'il lui manque une bonne partie, non, elle n'est pas vraiment apte pas à lutter. Voilà. Puis je vous rappelle que je suis Agonie, une des sept sœurs du mal, donc voilà. Mais merci de vos soucis en tout cas, c'est plutôt sympa ici, j'étais jamais vraiment venu au Val d'Irel. Et c'est bien, je suis bien content. Ça fait un moment que je cherchais une personne à hanter, c'est un plaisir. En tout cas, vous n'êtes pas venu, mais vos zombies sont bienvenus ici. Oui, non mais, vous savez... Quand on est colère, bon, vous savez aussi bien que moi, on est un peu, on va dire, contrarié, en colère. On dégage des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Et effectivement, oui, dans tous les cas, j'aurais été jusqu'au bout. S'il m'a fallu anéantir l'espèce humaine pour pouvoir récupérer mes artefacts à un moment, j'aurais fait, oui, effectivement. La colère, on n'est pas censé se séparer de nos grimoires et de nos dagues. Donc voilà. Et n'y voyez aucun mal, hein, c'était pas forcément contre vous. À part le petit, là, le petit freluqué, là, qui a osé venir à ma tombe me toucher, ou je ne sais plus quoi, là, que je l'ai maudit. Mais non, à l'avoir contre vous, votre peuple, ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Et vous savez qui vous a volé vos artefacts, à la fois le grimoire et la dague ? Évidemment que je le sais. Je l'ai vu s'emparer de mes artefacts. J'en avais besoin pour ouvrir une tombe ou que sais-je. C'est là que j'ai commencé à péter un câble et quand j'ai vu un deuxième rentrer dans ma tombe, alors là, j'ai vu rouge. Je me suis dit qu'il allait prendre mes ossements au pire que ça et donc je me suis lancé dans la malédiction. Vous avez vu, du coup, la personne qui vous a volé donc à la fois le grimoire et la dague ? Évidemment. Je viens de vous le dire. Ok. Il s'agissait d'un jeune garçon ? Exactement. Un homme que tout le monde appelait... Ah. L'indigne. L'indigne. Effectivement. Je ne sais pas comment on peut accepter de se faire appeler de la sorte, mais apparemment, ça lui plaisait. Donc. L'indigne. Ok. Nous avons tout trouvé. Il avait dû vendre votre grimoire au royaume d'en bas ou quelque chose comme ça. Je l'ai racheté sans savoir ce que c'était. Ben, vous avez bien fait. Je pense que vous a souri. Donc maintenant que vous avez tout, vous avez tous vos pouvoirs. C'est... un peu plus compliqué que ça, je dirais. Il va falloir déjà que je me réhabitue à avoir une enveloppe charnelle.
Ce que j'apprécie là-dedans, c'est que j'ai du sang frais à pouvoir utiliser. Par contre, il me manque déjà un morceau. J'espère que je vais garder le reste, car nous perdons pas mal de pouvoir en sacrifiant une partie de nous-mêmes, surtout cette partie-là. Vous savez très bien. Mais j'ai hâte de reprendre des forces et de pouvoir peut-être revoir mes autres sœurs. Ce serait quelque chose de plutôt cool. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je laisserai votre servante faire son travail. Celle qui a fait sauter, là. Je suis juste rajouté une tasse. Elle est pas mal chamboulée. Elle est amoureuse de l'autre, là. Je sais pas comment vous l'appelez. Vous le savez? Oui, bien sûr, oui. Très bien. Alors du coup, bon, bah, c'est pas une surprise, alors déjà ça c'est bien. Mais non, elle a plutôt bon fond. Vous pouvez lui faire confiance, c'est plutôt une bonne personne. Moi, bon, je déteste dire ça parce que, à premier abord, tout le monde est gentil, mais non, elle vous estime quand même. Elle vous estime. Par contre, elle n'est pas du tout au courant de ce que vous lui avez fait. Bien, pas du tout de ça. D'accord, bon, ça c'est très bien. Juste, qui est au courant pour moi? Personne. Bah, c'est très bien comme ça. Et une autre de nos sœurs, Mamie Irel. Oh, la vieille carne. Toujours en vie, celle-là. Increvable. Oh, ça, vous inquiétez pas. Increvable. Elle va toutes nous enterrer, c'est sûr. Mais du coup, vous connaissez toutes nos sœurs? Oui, on aura le temps d'en parler. Les sœurs, là. Elles ne sont pas toutes fréquentables, ni toutes, comment dire, serviables ou utiles. Chacun voit un peu à sa cause. C'est d'ailleurs pour ça que la main blanche règne, hein, si c'est... Comment rester poli? C'est pain bêche. Arriver à en s'entendre. C'est longtemps que la main blanche ne ferait plus un pli. Bien longtemps. Mais bon. C'est pas là pour parler de ça, hein. D'accord. Donc voilà. De quoi? À l'occasion, nous pourrons en reparler. Oui, je vois d'autres. Vous avez plein de questions, tout ça, mais là, je vais déjà apprécier. Je vais peut-être aller faire un tour. Ah, mais non, je vais peut-être pas loin en tant que servante. Bah quoique, si vous m'autorisez. Il y a quoi que ce soit, c'est vous qui m'avez autorisé. Où ça? En ville, juste aller se balader un peu, prendre l'air. Ouais, passer des années dans une tombe, c'est pas sympa. Hein. Ben, du moment que c'est pas l'heure de faire vos tâches habituelles, vous avez le droit de vous promener, évidemment. Ah bah, une merveille. Bah, du coup, non, je suppose que... Pas l'heure? Je sais pas. Bah, je sais pas, c'est quoi les heures. Je sais pas quelle heure on il est. On est dans les 18-19 heures. Ah ben, s'il va falloir quand même aller préparer le repas, je pense. Ah! Très bien, bon bah, je vais lui laisser reprendre la main. Je voudrais pas changer vos habitudes pour le moment. Mais ce serait bien que, comment dire, qu'à un moment je prenne du grade ou quelque chose comme ça, parce que bon, je cache pas que bon, ouais, ça va un peu me saouler, quoi, mais voilà. Hein. Bon, pour le moment, je laisse un peu faire, mais voilà. Et du coup, tu peux voir qu'elle commence à cligner des yeux, un peu violents comme ça, et en fait, elle te regarde... Elle voit la tasse assise comme ça. Elle se redresse d'un coup, elle tient sa tasse, elle dit « Duchesse, c'est vous qui m'avez invité à... Je suis là depuis longtemps. » Vous venez d'arriver, Adélaïde, c'est moi qui vous ai dit que vous pouviez prendre une tasse, ne vous inquiétez pas. Hein. Ah, et je perds vraiment la tête en même temps avec les récents événements. Je me mais vois verser votre tasse et... Non mais c'est normal, Adélaïde, on vient d'un très très grand voyage, vous étiez avec nous... Vous avez fait tout votre possible, vous êtes extrêmement fatigué, c'est tout à fait normal, je suis aussi extrêmement fatigué, vous savez. Ah oui, non mais là, quand même, là, c'est... Je me vois faire votre tasse de thé et... Il va plus rien. Bah là, maintenant, je vous vois... Enfin, d'accord. Non mais, fais confiance. Je vais être fatigué. Oui, voilà. Écoutez, voilà, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, après ce long voyage. Ah, maintenant, vous en parlez, On a quand même... De ce que j'ai compris, on a tous failli mourir, quoi. Enfin, surtout vous. Moi, il allait me laisser partir, mais je vais perdre l'illuminé. Non? Oui, c'est vrai. Oui, mais quand même, non, c'est... Oui, tout va bien. Nous sommes tous sains et saufs. Enfin, tous ceux que... Nous apprécions. J'ai cru mourir
dans la crypte, là où on était, ou je sais plus trop quoi. Après, on arrive, on est traité comme du bétail, même vous, Duchesse. Oui. Et non, quand même, là, c'est... Ça fait beaucoup, quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de trop, c'est vrai, mais regardez, c'est fini. Et on va faire en sorte que ça ne recommence pas de si tôt. Hein. Alors là, oui. Oh, j'espère, parce que je vais pas tenir très longtemps. Hein. Si déjà j'ai des pertes de mémoire, là, alors... Mais l'illuminé, là, du coup, il va bien. Il va bien, tout va bien. Je sais pas, il doit être... Je sais pas où il est. Peut-être qu'il est parti dans ses appartements. Je ne sais pas du tout. D'accord. En même temps, à cette heure-ci... Oh ! À cette heure-ci, mais le repas ! Oh, je suis désolé, Duchesse, il faut que j'y aille. Oui, d'accord, très bien. Ben, allez-y, et vous pouvez prendre votre soirée ensuite. Ah bah, merci beaucoup, Duchesse. Tu peux voir qu'elle a sa tasse en main, elle n'a pas l'habitude d'avoir une tasse en main, elle la pose sur le plateau et elle part en courant vers les cuisines. Mm-mm. Je m'en reviens. Mon petit Jojo ! C'est moi. Bah alors ? Oui ? Ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Je vais aller voir Mika. Tu veux aller voir Mika ? Bah ouais, ou au moins aller, bah en fait, parce que du coup il est chez mamie Irel, c'est ça ? Bah normalement, aux dernières nouvelles, tu sais qu'il était chez mamie Irel. Bah j'y vais, s'il est pas arrivé, je parlerai à mamie Irel, quoi, voilà. Ok, du coup, voilà, bah, vas-y. Donc j'y vais, puis, parce que bon, bah, moi tu sais, elle m'a dit il va bien, mais bon, moi j'ai pas vu, hein. Donc j'ai pas vu, il est encore mort. Donc j'ai pas vu... Pour moi, il n'existe pas. C'est un mythe. Je sais pas. Moi, j'ai pas confiance. Non. Du coup, tu te déplaces vers chez Mamie Irel et tu arrives devant la porte et tu toques. Mais oui, je toque, mais quand même. Je pense pas. Oh pas moi, Jojo. Middle kick dans la porte, je rentre. Roulade. Je tire. One shot. Allez, la vieille est morte. Une balle, un mort. Metal Gear. Non, je toc-toc, j'attends et... Je toc-toc, putain, l'enfant, quoi. Je toc-toc à la poporte. Et là, je dis, bonsoir. Je peux aussi l'accrocher, si tu veux, mais bon. Allez, crochette la porte, c'est ta mamie qui entend que ça crochette direct. Du coup, tu toques à la porte et mamie dit, entrez, quoi. Normal. Bah, je rentre, quoi. Normal. Tu rentres. Au moment où tu rentres, mamie est à côté de Mika, et Mika est dans le lit, et au moment où il te voit, il essaye de se redresser, et tu vois qu'il fait la grimace. Te lève pas, Mika, te lève pas. T'es encore blessé. Attention. Fais attention, doucement. Salut, Jojo. Salut. Doucement. Ouais, non, ça va. Je restais un peu allongé quand même, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Je reste sais que c'est allongé. Pas digne d'un soldat, mais... Encore, tu nous as fait une bonne petite frayeur, là, Mika. Je suis désolé, Jojo, j'ai pas vu venir Resh. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Je pensais qu'il venait m'aider et j'ai baissé ma garde. Bah, moi non plus, et moi non plus, j'ai pas vu venir. Hein. C'est vrai? C'était genre, ça me fait mal de la mettre, et t'sais, je suis là. Ouais, je t'ai pas vu venir. Quand j'ai vu mon père s'avancer et les rapaces sortir leur arc, je me suis dit qu'il fallait que je sois prêt au cas où, et du coup, j'ai grimpé à la muraille pour pouvoir intervenir. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il ferait Jojo? À mon avis, il sauterait dessus, et j'ai essayé, et en fait, j'ai pas sauté assez loin, mais j'ai réussi à quand même les tuer. T'es genre, je réfléchis, je ferais ça, moi. Moi, j'aurais fait ça, moi. Moi, je serais pas allé, je pense. Moi, j'aurais dit, bah, en fait, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, hein. C'est pas, ça me regarde pas. C'est le mec avant de partir. Attendez, on me reproche quelque chose? Non. Bah, je m'en branle, en fait. C'est tchao. Et donc, du coup, je regarde ce genre, mais j'aurais fait ça. C'est ok pour moi. Du coup, c'est ciao, quoi. Bah, déjà, merci. Tu nous as probablement... Trop probablement... Bah, déjà, t'as probablement sauvé la vie de ton père, ça, c'est sûr.
Mais t'as peut-être aussi sauvé la nôtre aussi. Donc. Tout à fait. Je suis content de l'entendre parce que ouais. Je pensais vraiment avoir fait des conneries, donc je suis content. Doucement. On va m'amirel et je fais signe qu'on parle un petit peu à part. Je lui dis il va donc je parle assez bas pour pas que Mika puisse m'entendre, tu vois. Il va retrouver ses capacités. Oui, totalement. C'est qu'une question d'un peu de repos. Et ça ira tout seul, lui. Ok. Je parle encore plus bas. En termes de soins qu'il a reçus, on parle de soins classiques ou de soins un peu plus... Comment ça ? Navré, mais il a été soigné par vous et la Duchesse. Donc... est-ce qu'il a fallu le ramener quelque part ? Non, il n'est jamais... Khan n'est jamais parti, non, ouais. Pas du tout. Ah non. Au pire. Oh, putain ! Non, Mika ne... Ok ! Ne vous inquiétez pas, s'il a fallu d'accord. Le ramener, on l'aurait fait dans tous les cas. Oui, je voulais savoir si ça avait été fait. D'accord, ok. Non, parce que j'ai pas eu de détails, d'accord. D'accord. Ah bah... Ok. Ne vous inquiétez pas, tout va bien et il ira bien. Ok, excellent. Aussi simple que ça. Parfait. C'est genre, ça me trottait dans la tête quand même, hein, le fait qu'on les ramène à la vie et tout. Tu vois ce que je veux dire, genre. J'ai bien compris. Mais non. Voilà. Donc elle te dit que non. Ok. Mika, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas aller bien. Mika, en fait, non, c'est cool. C'est cool. Okay. Alors au début, c'était pas cool, mais là, en fait, c'est cool. J'ai un doute, mais là, ça va. Okay, ça va. Franchement, Psartek, hein. Eh, nickel, mamie, hein. Tu peux lui dire merci, hein. Tranquille, la vieille. Ouais, c'est ça. Psartek. Je suis avec mamie Irène et je lui dis, au niveau des dernières nouvelles, la maison des rapaces a été saccagée. Ça veut dire que l'hôtel sans âme en bas est pour l'instant condamné. Ah. Ouais. D'accord. On va le faire déblayer, bien sûr. Ah oui, parce que là, c'est une mauvaise nouvelle, quand même. Ah oui, bien sûr, c'est en cours, on va le faire déblayer. Et voilà, pour l'instant, au niveau des nouvelles, voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Je tourne vers Mika et je lui dis, Mika, une dernière chose, une question que je voulais te poser. Ouais. Pourquoi doucement. Ouais. Pourquoi t'as dit à l'ancêtre pendant le procès, tu te souviens, pendant le jugement, t'avais un moment l'ancêtre t'a posé une question et t'as répondu. Il t'a demandé par rapport au fait que tu m'avais vu sur un chariot. Oui. Et t'as répondu. T'as dit que tu nous avais vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça ? Dis-moi. Il m'avait pas laissé le choix, je lui avais raconté ça il y a longtemps. Mm-hmm. Et du coup, il m'a pas laissé le choix. D'accord. Et il t'a mis la pression, c'est ça, entre-temps, il a... Ah bah oui. Oui. Okay, il m'a dit que je devais dire la vérité, que c'était important et... Que les menteurs étaient punis. Et du coup, avec mon père, tout ça, c'est un peu compliqué. Quand il dit les menteurs sont punis, je peux pas m'empêcher de rigoler un peu. Oui, je comprends. Ouais. Menteurs, ouais, c'est bon. Ouais. C'est vrai, les menteurs sont souvent punis. Ouais, c'est clair, ouais. C'est pas beau de mentir. on la connaît, celle-là, pas à nous. Et de mentir, mon petit Mika. Voilà. Et donc, si on est honnête. Je tapote la tête et je lui dis... Écoute, je comprends. Je t'en veux pas. Y a pas de souci. D'accord. Merci. J'avais peur que tu le prennes mal, mais en fait, j'avais dit ça après que je t'avais vu et tout. J'avais raconté ça à l'ancêtre parce que je parlais, je disais plein de choses, mais je savais pas qu'il était fou. Mais Mika, y a pas de souci. T'es encore
Comment dire, même si j'ai beaucoup d'espoir en toi, tu restes quand même encore un enfant. Tu ne sais pas tout, tu sais pas trop comment réagir à tout, c'est normal. Ouais, je savais pas à qui me confier à l'époque. T'inquiète pas, c'est aussi à moi de te former, t'expliquer ce que tu dois dire, pas dire, tout ça. Y a pas de souci, d'accord, t'en fais pas. Tu dois encore apprendre. Mais pour l'instant, tu vas te reposer surtout. Ouais, mamie, elle a dit, faut pas que je bouge, mais c'est un peu chiant, mais je vais pas bouger alors. Voilà. Mamie qui a dit. Et t'es, voilà, je prends ma main, je prends sa main. Et t'es, genre, dans sa main, je glisse discrètement quelques bons becs, tu sais. je mets quelques bonbons et je lui fais genre, ça va aller, mon grand, ça va aller. Il en prend un et il s'étouffe devant toi. Voilà. Enfin. Et maintenant la vieille. Comme l'a demandé la duchesse, Mika a été neutralisé. Voilà, il est neutralisé comme prévu. Voilà, duchesse. Comment ça, voilà? Il n'est plus une menace. Ça va. C'est bon. Menace écartée, voilà, duchesse. C'est ça. Non, je donne quelques bonbons discrètement, tu vois, je fais un petit clin d'œil, je fais genre, allez, pose-toi bien, mon grand. Et du coup, il te remercie, il te fait un clin d'œil, et il est plutôt content que tu l'aies pas engueulé, que tu sois fier de lui, entre guillemets. Bah non, mais bon, le pauvre, ça va aussi. Hein. Ça va, 5 minutes. Ça va, qui n'a jamais balancé un pote? Ça va, c'est bon, sauf ça une va. Fois au chalet. Le jugement, il a commencé par le bon qui dit genre, ah non, mais moi je suis fidèle à la main blanche. Hein. Donc, et on lui a rien dit à lui. Hein. Donc, grave, ça c'est vrai. Voilà. Du coup, c'est bon pour toi, ça va être l'heure de manger, tu vas retourner... Cuisiner surtout. Rappelle quand même que je suis premier cuisinier du royaume. Voilà, va falloir aller faire la tambouille, alors vite, tu vas être en retard. C'est parti. Je chope le bon et je viens. C'est parti. Mon petit le bon. Oui. La messe est dite, c'est quoi le plan? Bah du coup, en vrai, par rapport à tout ça, on verra ce que ça dit, mais je pense qu'il va forcément falloir quelqu'un qui fasse les prières, qui soit à l'église pour les fidèles, et donc je pense que je serai amené à être le plus à même de réaliser cette tâche. D'accord. Donc tu vas devenir le nouveau représentant de la main blanche en attendant, quoi. Peut-être. Et donc je vais peut-être profiter de cette opportunité pour tenter de faire un petit peu évoluer les choses, ne pas rester du coup dans ces... Ah, tu veux les faire changer de... Ouais, pas forcément changer, mais évoluer, je dirais. Pas changer, évoluer. Ouais, tenter de les éduquer en mode la femme, finalement, peut-être que, et au pire, machin, etc. Tu vois. Voilà, un petit peu adoucir le truc, quoi. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu. C'est un peu trop hardcore, quoi. Ok. Voilà, les principes de. On va essayer de mettre un peu d'eau dans le vin. Voilà, c'est un peu. de l'eau dans le vin. Ouais, Bad Mess. C'est de l'humour. Enfin bref, allez. Ouais, mais du coup, voilà, j'avais dans l'idée de faire ça, donc je me dis pourquoi pas. On verra ce que ça va donner. Une merveille. Okay. Et du coup là, bon, je me dirige donc vers la taverne vu que l'illuminé m'a gentiment invité, et donc je vais voir ce qu'il en est, quoi. Tu te diriges vers la taverne et du coup tu te retrouves au milieu d'une pléthore de soldats, tu te frayes un chemin, tu avances vers les tables pour trouver l'illuminé, tu le retrouves. Il est à table, il a un verre en main, il est en train de discuter avec ses soldats, ils sont en train de faire la fiesta. La fiesta totale, hein, c'est totalement, on y va, quoi. Les verres en main, ça chine, ça bave, ça machin, ils ont dit... comme quoi l'ancêtre était en pèlerinage, donc c'est tranquille. Il est enfin libéré, enfin, tout ça, quoi, tu vois. Enfin, ça balance sévère. Bah, let's go, ouais, je me fraye un chemin, je vois la table de l'illuminé. Non, il m'a dit qu'il m'avait gardé une chaise. Il y a effectivement une chaise de libre à côté de lui, juste à côté de lui. Et du coup, c'est parti, quoi, il te l'a... Pas il te la propose, mais c'est ce que je veux dire. Ça marche. Du coup, si je vois Bibine, tout ça, je leur fais un petit signe de la main. J'imagine que ça doit être
Ils doivent être surchargés de travail, donc effectivement, juste un petit là, il y a peu du plus loin, monde et là. tout, donc tu peux voir qu'ils te saluent vite fait, ils te posent une chope directement, tu peux voir que ça coule à flot, ils font Parfait. du beurre là ce soir, et du coup, l'illuminé t'accueille et du coup se met avec toi. Il te dit, si tu veux, on peut se mettre un peu à part ou comme tu sens, hein. Non, bah, je voudrais pas t'empêcher de voir tes hommes de festoyer tout ça, donc Ah bah alors, reste avec nous. Alors, hé les gars, écoutez tous. Donc ça, c'est mon pote Le Bon. C'est avec lui qu'on a détruit l'élémentaire. On a chassé moult créatures. Donc c'est un bon gars, je compte sur vous pour lui faire un accueil et trinquer avec lui. Et tu peux voir qu'il lève son verre à travers la foule pour te mettre un peu en avant et tout. Il a balancé comme quoi t'étais un poteau, un srap, quoi. Let's go. Bah écoute, je lève ma chopine. Lève ta chope. Là, je regarde un peu tout le monde, je regarde l'assemblée, je lève ma chopine, je trinque si les gens ils me tendent leur verre et tout, et puis je bois un coup, quoi. Ça trinque à gogo, ça boit un coup, c'est une merveille. Technologie, tout est là. Du coup, c'est la fête, c'est la fiesta, ça bugle, ça chante, ça danse, ça fait les 400 coups à table, tout ça, blabla, c'est la belle vie. Et du coup, est-ce que tu fais quelque chose de plus? Est-ce que quoi? Est-ce que Non, bah genre tu après. fais juste la fête, tout ça? Ça va être l'heure de manger normalement, hein, donc est-ce que tu restes Ouais. juste pour faire bonne figure ou est-ce que tu veux vraiment taper une discute avec l'illuminé ou quoi que ce soit? Bah, je me laisse un peu porter par ça. J'imagine que de toute façon, vu les événements récents, vu tout ça, Donc tout j'ai ça. bien besoin effectivement de boire Décompresser un un peu. petit verre, décompresser tout ça. Donc, je me laisse un petit peu porter par le mood. Si Illuminé veut discutailler ou quoi, ça sera volontiers. Sinon, c'est pas grave. En fait, je reste là avec les hommes. Je change des banalités. Ça marche. Je décompresse parce que là, j'en ai besoin. Ok, nickel. Et ben du coup, c'est y part. On est sur la bonne map. Ça décompresse, ça fait la fête, ça picole. Les soldats sont là, ils sont contents. Bah déjà, il y a tes soldats qui sont contents de te voir. Et il y a les autres du coup qui t'ont accepté tout ça, donc c'est tout Une merveille. bon. Nous revînmes. Jojo, Duchesse, Duchesse, vous vous mettez à table. Quand Jojo est revenu en vitesse pour s'occuper du repas, tout le monde est à table. Alors à table, il y a le duc. Il y a Loyal. Et il y a vous deux. Tac. On est là. Ah bon. Vous êtes là. Ouais. Hop, je vous ai mis ça. Et il y a Adélaïde, du coup, qui ramène les repas que tu as fait. Oui, voilà, j'ai fait un petit truc tranquille, hein, c'est-à-dire que pour l'entrée, on part sur 8 gratinés noisettes de parmesan. Pour le repas principal, on part sur classique, hein, Saint-Jacques purée de chou-fleur et jambon serrano, et on va se finir par le dessert, banane rôtie au miel, vanille cannelle. Voilà, petit truc tranquille, voilà. Petit repas, quoi. La base, quoi. Je veux dire l'entrée de La gamme, base. c'est le Bah, truc, voilà. je suis désolé, ils ont pas de nom, c'est plat, ce truc que j'ai trouvé. Enfin, Je ouais. fais ça sur le pouce avec deux, Je fais trois ça sur le restes. pouce, c'est le truc est nickel, est tout préparé par plan. Genre, j'avais que 20 minutes, hein. Enfin, Ouais, genre, j'ai. Voilà. Je fais ça comme je j'ai pu, hein. fais ce que j'ai Fais ce pu. que Hein. t'as pu. Je fais ce que j'ai pu, pardon, désolé, hein. Désolé. Désolé. Et puis, vous savez, c'est la saison, il n'y a pas grand-chose, hein. Du coup, le Voilà. duc prend une bouchée et comme dans les mangas, ça fait waouh! Tu vois, il Ouais. se décoiffe et tout, il en perd ses cheveux. Et après, il te regarde, il fait pas ouf. Mais Pas ouf, voilà. on est Alors... d'accord, hein. On est d'accord, on est d'accord, c'est pas ouf, hein. Non, mais moi je suis Bon, d'accord avec je vous, connais bien. hein. Du coup, vous C'est êtes au sec. à table, Adélaïde vous sert et tout, présente les repas, donc bien sûr, elle les pose en même temps que tu les décris. Tout est sur la table et elle disparaît. Elle te regarde, Duchesse, avant de partir. L'air de dire si tout est fait, je prends ma soirée. Ouais, je fais un petit signe comme quoi elle peut partir. Elle te renvoie un petit signe. Elle te souhaite une bonne soirée. De lire sur ses lèvres, bonne soirée. Elle s'en va, elle est libre. Vous êtes donc à table, le duc loyal, pas un mot pour le moment, jusqu'à ce que le duc prenne la parole et dise « Alors, Jojo, c'est Oui. un signe, vous plaît. Oui, en effet. C'est disons que bah déjà c'est gratifiant de voir que
je fais du bon travail et du coup, bah, j'ai l'insigne qui va avec le bon travail que je fais. Voilà, et bah, c'est un peu que vous en serez digne. Ben, je continuerai mon travail comme il m'a toujours été demandé, je ferai de mon mieux. Super bien. Super bien. Par rapport à ça, j'ai Duchesse. Oui. Comme prévu, hein, la cave des rapaces a été saccagée. D'accord. Okay. Et effectivement, on est descendu. Avec l'ancêtre nous a emmenés au repère des rapaces. Le capitaine a enfoncé la porte et un peu le mur, forcément, c'est le capitaine. Et on est descendu en bas et l'ancêtre a demandé à ce que tout seul, enfin, l'hôtel, tout ça, tout soit éboulé. Voilà, donc j'ai été à la garnison. J'ai demandé à un homme d'organiser déblayage de la cave, quoi. Voilà. D'accord. Parce que bah on aura besoin. Hein. Enfin, là, je suis désolé, mais voilà. Normalement, il devrait prévenir Mortepelle, normalement, et Mortepelle organisera elle-même le déblayement de la cave, quoi. Okay. Voilà. J'ai été voir aussi Mika. Il s'en met ses blessures. Il est conscient là pour l'instant. Ça a l'air d'aller. Ses jours sont pas en danger, donc bah bravo à vous, Duchesse, déjà. Ben, surtout à lui et à mamie. Hein. Ah, d'accord. Et voilà. Sinon j'ai été voir Barban là qui m'a fait un peu les comptes de ce qui se passe en ce moment en ville. Donc alors déjà effectivement les morts se relèvent plus. Hein, il me l'a confirmé. Mm-hmm. Et toujours ce problème hein, de minerai que Titan a du mal à se faire parvenir. Apparemment, voilà, il a un quart de minerai en moins par rapport à d'habitude. Donc là, ça commence à devenir préoccupant. D'accord. Ça faisait 3 jours que apparemment les rapaces avaient du mal à se faire parvenir de, enfin, du mal à chasser, en tout cas pas parvenir de la viande. Maintenant qu'ils sont plus là, bon bah il va falloir organiser ça aussi. Et voilà ce. T'as à peu près tout au niveau des infos, du coin. Quoi. C'est pas mal, merci. Ben, pour mon travail. Voilà, pour mon taf. Voilà. Sinon, il fait pas beau dehors en ce moment. Mais ça, j'ai pourtant Dieu sait que j'ai essayé de remettre du beau temps, mais. La petite info qui se coule ça. Voilà. Fait pas beau. Et moi, je dors. C'est ça. Voilà. Il est pas là. C'est exactement ce que j'allais te demander. Ouais. T'as pas vu le banc? Pas T'as du pas tout. Dit... Non, m'a rien dit. Il n'est pas là. Pas vu, pas pris. Exactement. Là, je sais pas, là, j'ai pas vu. Pourquoi, il vous a pas dit où il allait? Non, pas du tout, non. D'accord. Moi, je suis resté dans ma chambre. Vers l'ambiance, quoi. Ok, je me tourne vers Duc Loyal éventuellement, genre. Vous savez Ils te font un petit hochement en mode non. Pas du tout. C'est bizarre, ça. Il a dû. Je ne sais pas. Voilà. Vu ce qui s'est passé, il n'a peut-être pas très faim. Il a dû. Bah, je vais. Il va faire comment pour pouvoir son thé? Enfin. Son infusion de chou-fleur, là, comment il va faire? Il sait pas faire lui-même. Hein. Enfin. C'est terrible, quoi. Il viendra avant de se coucher. Bah, ouais, mais là on va pas lutter avant d'aller dormir parce que. Attends, c'est ouais. Pas une heure pour parloter quand même. Il y en a qui se font chier à faire la cuisine. Voilà, on est où là? N'importe quoi. Voilà. Bah du coup, je vais. Du coup, je vais finir, je pense, de manger. Et ensuite, j'irai à la taverne pour faire le service et pour pouvoir entendre un peu qu'est-ce qui se dit parmi les villageois. Ouais, mais ça me fait penser que l'illuminé non plus n'est pas là. D'habitude, il mange avec nous. L'illuminé ah bon non plus n'est pas là. Oh putain, quel bâtard. Ah bon. Oh le chien. Je sais pas, moi. Oh, ça pas mal, hein. C'est vrai. En même temps, il a peut-être. Peut-être qu'il est allé voir les. Son peuple, qui est bien sûr notre peuple maintenant, oui. Mais. Enfin, si tu me permets, Duchesse, Adélaïde n'est pas là non plus. Hein. Je viens juste de la congédier, c'est normal.
Oui, donc ça expliquerait peut-être pourquoi Emily n'est pas là. Peut-être. Oui, non, bah oui, mais je te le dis. Ça, c'est un peut-être de Clem qu'elle a pas compris, mais elle veut pas te. Si, j'ai compris. J'ai compris l'allusion. D'accord. D'accord. Je te fais un dessin, peut-être. Non, non. D'accord. Ça dépend s'il est en 4K, qu'il est bien fait, moi je veux bien. J'ai pas encore travaillé mes compétences en dessin, mais je peux bosser dessus si tu veux. Ouais, bah fais un effort, hein, s'il te plaît. Ok, pardon. On voit des vrais dessins ici. Ok. Donc voilà. Voilà, bah. Peut-être ça. Bon, après, bon. Ça ne nous regarde pas. Il fait ce qu'il veut. Cela ne nous regarde pas, effectivement. Après, voilà, effectivement, il fait ce qu'il veut. Très bien. Bon, bah, moi, j'ai fini, effectivement, de manger tranquillement. Et puis ensuite, j'irai à la taverne pour voir qu'est-ce qu'il dit, quoi. Voilà. Ok, nickel. J'aurais des questions à poser à mon époux. Oula. Il va y avoir un truc. Oula. Ouais, c'est un interrogatoire d'habitude, hein. C'est pas voilà. des questions, tu vois. Alors, dis-moi, est-ce que tu connais ce billet? Regarde le billet. Alors, non mais, encore une question. Non mais écoute, tu pourras partir après. Mais d'abord... Mais oui, t'auras à manger, tu seras libre. Mais oui, tout ce que tu veux, mais oui. Allez, regarde cet autre billet. Très bien, parfait. Putain, c'est bon souvenir. C'est ça. Bon. Non, mais c'était notre avis, ça. Hein. Ah ouais, t'as pas beaucoup changé depuis. Enfin bref, alors du coup. Donc. C'est plus trois campagnes, là, c'est vrai. Grave. Bon. Donc, je disais. Dites-moi, par rapport au courrier que vous avez envoyé, à l'Inquisition, c'est bien ça? Donc, tu parles au duc, là? Oui. Mais non, pas à moi, oui. Le duc, du coup, lève la tête, il arrête son repas et il s'essuie un peu la bouche. Il mange et il a envoyé une missive et l'émissaire contacter la main blanche. C'est, on ne sait plus où se faire pour qu'il confirme que le royaume va bien. Car l'ancêtre a fait part qu'il avait... C'est la demande express d'une visite unique pour pouvoir remédier au problème du chess. Le problème voilà. Du chess. Okay. Exactement, et l'hérésie qui va. Ouais. Ok. Une question est donc soulevée, c'est est-ce que cette nouvelle va se répandre au sein de l'ordre de la main blanche? Pensez-vous? Oui, je pense que la nouvelle va faire le tour à la main blanche, effectivement. Donc tous les frères de la main blanche vont penser que je suis morte. Morte peut-être pas, non. Par contre, ils vont penser que fait est fait. Morte, oui. Je ne pense pas. Donc... Je suis morte, quoi. Bah, quel autre... Comment régler ce genre de problème autrement que par la mort avec la main blanche? Bah, on aurait pu nous bannir aussi, hein. Vous savez, j'ai bien dit que vous étiez hors d'état de nuire. J'ai pas dit que vous étiez morte pour autant. Ouais, donc je suis soit morte, soit en prison, quoi. Ou bannie, effectivement, peu importe, hein, mais... Je ne suis plus dans mon royaume. Voilà. N'êtes plus une menace, en tout cas, c'est surtout pour rassurer les hautes instances que vous n'êtes plus une menace. Ouais. Donc comment allons-nous gérer, du coup, les relations avec nos voisins en qui nous avons toute confiance? Je pense, par exemple, au royaume d'en bas. Ouf. Notre très cher ami qui va penser... Moi, je pense que c'est pas un problème, royaume d'en bas. Que vous m'avez laissé tuer, peut-être? Non, je pense pas qu'il... Bah non, connaissant, s'il a quelque chose, s'il veut avoir une information ou être sûr de quelque chose, il se déplacera lui-même, donc je pense pas qu'il ait besoin de s'inquiéter. Bah, je l'espère. Ah bah, oui, non, mais je... S'inquiéter. Bon, je vous fais confiance. Oui, mais... En tout cas, merci
Merci pour ce que vous avez fait. Vous êtes... femme, la duchesse. Pas besoin de me remercier, c'est... ça coule de source. Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à... Là, non. Non, non, je continue de manger. Ok. Tu continues de manger. Vous continuez le souper, ce magnifique souper. Bon, bon, pas ouf, pas ouf, pas, pas ouf. Il a, pas, il a pris le temps, il a fait ce qu'il a pu. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pu, hein. Coco, quoi. Et du coup, ben... voilà, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou quoi que ce soit? Bah, quand je finis de manger, je prends congé. Je dis, bon, bah, je vais bosser, moi. J'ai travaillé, mais... J'ai du boulot, moi, hein. Je sais pas que ça. Boulot, mais... j'essaie de... Faudrait voir où est le bon, parce que... Ah, t'inquiète un peu. Bah, ouais, enfin, genre, je... Il n'avait pas l'air bien la dernière fois. Ouais, c'est ça. Duchesse, si vous voyez le bon, si vous pouvez me prévenir, je ne serais pas de refus. Enfin, voilà, juste, juste ça, voilà. Ça vous dérange pas, mais je suis un peu... Je suis un poil inquiet, voilà. J'arrive à voir si je le vois dehors, mais très bien. Du coup, okay. Yal, journée. Vous avez fini, tu as fini de manger, mm-hmm. Quitte la table, on va. Hop. Je te sépare du coup, et il reste plus que ben, les hautes sphères, tu vas le dire. Yes. Même si, bon, maintenant il en fait un peu partie, mais... Vous êtes tous les trois à table, est-ce que vous dites quelque chose ou quoi, ou est-ce que c'est terminé? Je dis aussi que ben, je tenais à vous informer que j'ai accepté la proposition de Mortepelle pour qu'elle devienne mon assistante, et du coup je vais lui faire préparer des appartements... au sein du manoir, mais qu'elle m'a dit que elle n'y resterait pas tous les soirs vu qu'elle resterait aussi capitaine de la garde. Elle tient à garder sa place auprès de ses hommes, plutôt honorable de sa part, ça ne m'étonne pas d'elle. Mm-mm. Je vais vous dire que je suis content de vous entourer de Mortepelle en plus. Quelqu'un de confiance. Et une très bonne guerrière. C'est un bon choix, je pense. Yes. Je pense aussi. Elle a réussi à remettre la garnison sur pied. C'est de l'excellent travail. Elle a des hommes fidèles et loyaux. Je pense que c'était un bon choix de part. Oui. Très bien. Bon. Maintenant, par rapport à notre situation, pensez-vous qu'il faudrait la clarifier par rapport à nos sujets, par rapport à l'ancêtre? Effectivement, au vu de... Comment dire ça en restant poli? De la connerie du peuple. Avant que ça parte dans tous les sens, effectivement, il faudrait faire un petit discours au plus vite sur l'absence de l'ancêtre et tout ça. Car il y a quand même des enfants qui ont disparu, pêcheurs, rêches, pas mal de monde en moins. Il faudrait justifier les enfants, leur absence. Les enfants ne sont pas disparus, par contre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, ils ne rentreront pas chez eux avant quelques jours que mamie... Oui, ce qu'elle a à faire, donc... Mais du coup, les parents doivent être inquiets. Je pense qu'il a quand même quelque chose à faire. Oui. Oui, oui. Compte sur vous pour mettre ça au point, et si vous avez besoin d'aide... Ou Jojo. Jojo, il aime bien parler. Tenez-le. Très bien. Bon, bah écoutez, moi je vais retourner dans mes appartements. Cette journée, toute cette période était extrêmement fatigante pour moi. Oui, bien sûr. Allez-y, reposez-vous et nous verrons demain pour faire un discours. Ah. Si vous voulez, j'en parlerai à Jojo. Mm-mm. Très bien, merci. Je vous souhaite une très agréable soirée. Merci à vous, Duchesse. Bonne nuit. Il te salue et tu t'en vas. Au moment où tu te lèves de la table, il y a
loyal qui se lève pour te saluer, qui se rassoit. Alors mon petit Jojo, où tu vas chercher? Où tu vas chercher? Va chercher. Bah déjà, je vais dans sa chambre. Dans sa chambre. Ok. Et que dalle, personne. Hello. Ok. Je sors. Du manoir quoi. Sors. Où vas-tu? Je suis en ville. Déjà, je demande aux gens que je croise s'ils n'ont pas eu Benjamin Lebon, tu vois. Du coup, tu peux voir des gens qui passent à droite, à gauche. Tu peux voir qu'il y en a qui sont pas mal éméchés, et ce sont des gardes éméchés. Bon, c'est bon pour mon service. Alors Alors déjà... non, et dans tous les cas, vous pouvez rien dire, monsieur Sire, parce que je peux vous dire qu'on a picolé avec le grand chef. Et toc. Le grand chef? Ouais. C'est-à-dire, lequel grand chef? Il y en a plusieurs. Déjà, il y avait M'Illuminé, il y avait le... Ah, celui qui remplace le vieux, là. Ça y est, prie, là, il fait les... Ah, quoi putain, les... Le bon? Ouais, voilà, ouais, il y avait le bon. Un mortepel qui est venu s'en jeter. Alors, je peux vous dire, mon petit monsieur, vous n'allez pas nous dire grand-chose. Et moi, j'ai rien dit, hein. Tout va bien. Hein. Vous m'envoyez ravi, parce que je pensais que vous aviez dit un truc, et en fait, vous avez rien dit, et vous avez bien fait de rien dire. Mais c'est ça, hein. Voilà. Bonne journée, mon grand. Je vous souhaite une bonne journée. Vous savez quoi? Ouais. Je vais vomir un petit coup. D'accord. Les voilà. Skis. Allez. Ouais. Hein. Bonne soirée. Regarde, vomi, genre c'est quoi qu'il a bouffé là? C'est quoi ça? Tu peux voir qu'il fait quelques pas et il se tient à la muraille et il dégueule juste devant et tu peux voir beaucoup de liquide et beaucoup de liquide qui sort. Et au moment où il a fini, il se relève, il essuie sa bouche comme ça et il fait à la libération, chef. Ouais. Ouais. Je fais genre, bon, j'espère qu'on sera pas attaqué ce soir. Alors, sinon on est mort, plus que d'habitude. Enfin, genre, du coup, putain. Tu continues à ta taverne. Je vais à la taverne, visiblement, apparemment, le grand chef, il mange à la taverne. Alors, tu te diriges à la taverne de Duchenot. Quand j'arrive près de la taverne, je retire ma broche et je la mets dans ma poche, comme faisait le loyal, du coup. Ok. Retire ta broche, tu la mets dans la poche. Et tu peux voir qu'il y a le capitaine qui fait un peu garde-fou au milieu de tout ça. Eh bien. Alors bon, ici, on picole pas. Hein. On n'est pas des bêtes. Hein. Mm-hmm. On sait se tenir. Il y a le capitaine. Donc tu sais te tenir, c'est sûr. Tout le monde sait se tenir maintenant. Bien sûr. Donc le capitaine est là et veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement ou quoi que ce soit de nul. Quoi. Bien sûr. Et je fais un signe de tête. Et... Il te salue. Et il y en a deux qui commencent à hausser le ton. Et le capitaine se tourne et fait... Et là, il y en a un des deux qui le regarde et qui fait... toi-même déjà, hein. Du coup, le capitaine s'avance légèrement. Et au moment où il commence à s'avancer, son pote le prend. Il fait... Chut, cours. Cours, parce que si lui... Il est où? Il est tombé. Oh putain, il est tombé. Et du coup, le capitaine se replace... Il voit bien que le mec, c'est pas du tout une malade. Je suis en train de me dire, tiens, bah bon, on va avoir du travail, mais non, ça va. Tu arrives dans la taverne. Dans la taverne, ouais. Tu peux voir qu'il y a le bon et l'illuminé en train de trinquer. Il y a des pintes absolument partout. Jaja et Bibine n'en peuvent plus. Ils sont sur les rotules et la nuit ne fait que commencer. Attends. Le bon, illuminé, trinque. Le bon et l'illuminé. Ok, j'ouvre un portail et je fais genre pas mon univers, vite. Je saute. Je change d'univers. Ok, vite, je me suis trompé, merde. Le portail grince pas, merde. Incroyable. Et non, tu les vois bien en train de traquer. Ok. Je suis étonné. Mais donc du coup, je vais vite aller me changer pour aider les pauvres Jaja et Bibine. Et tu peux. J'y vais. Donc je vais me changer, je mets ma... habit de tavernier.
Il met ses plus beaux habits de souillon, de tavernier. Yes. De souillon. Un truc de souillon, et c'est ça. Et il se met à aider. Du coup, il y a merci. Le bon, l'illuminé, ils sont même pas venus me bouffer, ils sont à jeun. Ils ont fait des jours et des jours de marche, ils ont frôlé la mort et tout, et ils sont en train de s'envoyer des godets à gogo. Je peux te dire que ça va pas tarder à Bégère, parce qu'ils sont dans un sale état. L'illuminé, du coup, tu peux le voir qui met une grande tape sur l'épaule de Lebon. Tu vois, si j'avais su, eh ben, je t'aurais jamais fait ce croche-pied. Parce que finalement, je vais te le dire dans les yeux, parce que là, je te... T'es où ? T'es là. Je vais te le dire. Toi, t'es un gars bien. Et au début, je pensais que tu courais après la duchesse. Et en fait, pas du tout. T'es juste un gars bien. Et en fait, t'es comme si t'étais un grand frère pour elle. Est-ce que je me trompe ? Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et voilà ! Alors que moi, je cours vraiment derrière la duchesse. Mais comme tu as compris maintenant, je suis un gars qui a des principes et je suis bien éduqué. Donc bon, ça reste entre nous. Bon, la duchesse, elle est jolie. La duchesse, elle a du pouvoir et tout ça. Bon, elle a tout ce qu'il faut, ok ? Et en plus, voilà, oh là, qu'est-ce que j'aime cette paire, putain. Enfin bref. Mais moi, tu sais, je sais me tenir, ok ? Et donc, du temps qu'il y a le duc, moi, je fais rien. Mais à tout moment, quand la... la vision, elle est vraie. À tout moment, le duc, il canne. Et alors là, mon gars, comment j'attaque ? Je m'en fous complètement. D'accord. Alors, c'est vraiment ça, c'est entre toi et moi et les 80 mecs autour de nous, ok ? Genre, les gars, vous dites rien. Vous dites rien. voilà. Okay, voilà. Alors, moi, pendant qu'il sache, je coupe de plus en plus mon alcool avec de l'eau, tu vois. Genre, je suis en mode, bon, je vais quand même pas plus d'eau que de l'alcool, là, parce que ça va pas ce qui se passe. Voilà, et voilà. J'arrive vers eux, je me dis, genre, vous voulez pas bouffer un truc, les gars ? Hein ? Oh, pas soif, remets un... Écoute, j'ai là, le truc qui pchite, là. Hein ? Ouais, maison. De toute façon, le banc, il veut pareil. Il a dit pareil. Tu veux quoi, toi, le banc ? La même chose. J'ai même pas encore. Je suis encore à la moitié de mon verre, tu sais. Ouais. Il va me resservir une pinte. Bon, t'es en gros, je prends un verre qui boit, je me dis. Ah, ça, d'accord, ok. Mais évidemment. Jojo, bois un verre. Pourquoi tu fais le service là ? Mais parce que c'est mon travail. Ah, il fait des extras. Ouais, t'étais au château ou quoi ? Je suis partout. Partout ? Je suis partout, oui. Une ombre de la nuit. Tu travailles à tout va. Tu aides la veuve et l'orphelin en servant des bières. Oh, je savais pas que j'avais affaire à un pirate. Excusez-moi, monsieur Jojo, je bouffe à tous les râteliers. Monsieur est le conseiller de machin. Monsieur aide la duchesse à tout faire. Monsieur forme les petits jeunes. Monsieur travaille à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait pas, monsieur ? Monsieur, il fait même la cuisine maintenant ? Qu'est-ce qu'il fait pas, le Jojo, en fait ? Je sais pas, dis-moi. Eh ben, tu sais ce que tu fais pas ? Toi, t'as pas de babiole. Et je sais que t'en cherches une. Et tu peux me dire où je peux en trouver ? Alors non, parce que ça se trouve pas une babiole. Et toc ! Il faut respecter... Regarde, là, ce soir, là, tu me regardes, là ? Voilà, ouais. Regarde-moi bien. Je te regarde. Oh, putain. Ouh, il y a une remontée qui arrive là, mais pas pour toi. Comme je te disais, le repas que tu m'as fait la dernière fois, c'était quand même une tuerie. T'as de l'avenir dans la cuisine, continue. D'accord, mais pour la babiole, comment on l'a fait ? La babiole ? Ouais. Ah ouais, bah oui, bah, c'est ça que je disais avant que tu m'interrompes à parler de bouffe. La babiole, pour faire la babiole. Ce que t'as besoin, c'est déjà de respecter tous les dieux. Regarde, moi je respecte en ce moment même le dieu de la bière. Et ça c'est important, dieu de la bière. D'accord ? Et ce tabouret là où je suis assis, je le respecte. Je m'assois correctement. Je maltraite pas ce tabouret. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le dieu du tabouret, il veille. Et ça c'est important. Voilà. Bon, alors, il est où mon verre ? Et c'est tout. Genre, si j'ai pas tous les dieux, une babiole va apparaître dans mes mains. C'est quoi ? Si je respecte tous les dieux, une babiole va apparaître dans mes mains. Non, on verra ça plus tard. Mais déjà, du temps que tu respectes les deux, Jojo... déjà, entre nous, approche-toi. Et à plus près. Plus près. Approche-toi. Putain. Déjà, je te le dis, ça reste entre nous. Ouais. Mais déjà, faudrait commencer par arrêter de mentir.
Ah, mon con, je sais pas joli, moi, hein. Moi, mentir? Ça, c'est pas joli, hein. Moi, hey. Je mens. Pas moi, hein. Pas joli, hein. Je regarde la taverne, moi je mens, les gars. Tout le monde fait genre, bah oui. tu t'es censé m'apprendre, d'ailleurs, mais... T'es censé être bourré, le bon, si tu participes. Toi, t'es censé être bourré. Hey, de base, j'ai dit, j'avais à peine entamé mon verre, j'étais à la moitié de mon verre. Ah merde, ah t'en as bu qu'un toi? Bah oui, moi je bois tout doucement. Ok, alors ça. Pas en mode... Bon, t'es à jeun, tout ça, t'es quand même pas non plus très très frais avec la fatigue et tout, le coup d'épée dans le vide. Bon, voilà. Donc tu peux pas non plus lui parler en mode bah attends, Jojo, tu avais pas dit que. Non, non. Vas-y, appelle ton. Le blond. Le loulou. Tu l'as vu, la room. Et donc, mais en fait, mais du coup, est-ce que Benjamin il est déjà un peu bourré déjà? Je le vois bourré un peu. Bah, tu peux voir qu'il a un peu pas forcé, mais avec la fatigue, le manque de bouffe, et en plus là il est un peu en train de picole. Surtout que l'illuminé il arrête pas de lui lever un peu le verre, tu vois, pour l'aider. Voilà. Donc je note que malgré sa condition de mort-vivant, il peut quand même être bourré. Tonnant. Donc très bien. Ok, très bien. Non, mais le bon, oui, non, mais c'est juste que des fois, il y a des choses, pas forcément mentir, mais tu sais, pas tout dire aux gens, tu vois, le bon. C'est juste ça qu'il faut faire. Adélaïde. D'accord. Arrive. C'est et il y a l'illuminé qui vient. Ah, Adélaïde. Ah. Ça, eh ben, tu vois, ça, parce que si j'étais pas promis à la duchesse, hein? Elle s'appelle Duchesse, effectivement. Eh ben, tu sais quoi, Adélaïde, ce serait ma femme. Mmh. Voir qu'Adélaïde, elle marque un petit temps d'arrêt, elle le regarde comme ça, et elle le calcule pas des masses. Elle passe à côté, et t'as l'impression qu'elle découvre un peu la taverne, tu vois, qu'elle fait un petit tour. Au moment où elle passe juste à côté de lui, il la prend par la taille, et elle fait, Adélaïde, on dit pas bonsoir. Ouais. Du coup, Adélaïde, elle le regarde comme ça, elle le toise un peu, elle dit falloir te calmer là, quand même. T'es bourré? Ouh. Ouh, les problèmes. Ouh. Ouh, Adélaïde, elle vous regarde, elle attend une réponse. Bah, il répond, c'est pas au moins de répondre. Adélaïde, je vous fais un truc à voir peut-être. Ouais, je dis pas non, ça fait un moment que j'ai pas bu, donc pourquoi pas. Allez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je lui fais tout le menu. Fais confiance. Je fais confiance, peu importe. Ouais. Un truc bon. C'est sangria. Ouais. 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 Peu importe. Parti. Du coup, vous mettez et elle prend son verre et au moment où tu lui sers, elle boit un petit coup comme ça, elle vient faire. Effectivement, c'est fruité, c'est... Alors, il faut pas oublier de remercier le support. Quand on boit un coup, c'est très important. On le trinque. Support? Ah oui, parce que si on n'avait pas de table, on serait emmerdé, on aurait toujours le godet à la main. Bah, effectivement, faut remercier la table. Et le dieu de la table, il attend, tu dis merci. Moi, voilà, je suis même prêt à faire une hérésie et à remercier le dieu de la table avec toi. Oula. Ah. Eh ben, tu m'envoies ravi, illuminé. Les gars, tout le monde, on va remercier les tables. Parce que sans elles, il y en avait un paquet de vous qui seraient au sol. Allez, merci la table. Merci la table. non, je crois que vous avez pas compris. On reprend tous avec moi. 3, 8. Merci la table. Merci la table. Voilà. Et là, le dieu de la table, il est content. Mmh. Eh oui. On a fait honneur à la table. Et gentil, la table. Mmh. Ah, il est que 22h, putain. Merci pour le support, c'est important. La nuit va être longue. Ouais, la nuit va être longue, putain. Voilà. Bon. Mais quand même, je, à chaque fois qu'il me donne un verre, je coupe de plus en plus avec de l'eau ce que je lui donne. À un moment, c'est juste des verres d'eau que je lui donne. Hein, tu veux dire, pas genre. Bois ton eau, ouais. À un moment, c'est que l'eau avec du sucre hein, ce que je lui donne. Hein, genre là, c'est pas. Dagalas. Du coup, ils sont là et Adélaïde, elle boit une ou deux lampées, puis elle commence à partir avec son verre dans la rue. Il faudra rendre le verre après. C'est pareil. Ah, pas... Ok. Vous êtes du coup tous les trois. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites?
Bah déjà, enfin quand même, en continuant mon service, je fais mon truc de base, mon truc immédiat, c'est-à-dire j'écoute un peu ce que disent les gens, c'est quoi un peu la rumeur locale, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent, dis-moi un Eh peu. ben, du coup, pour beaucoup, ça parle surtout de l'illuminé et tout, parce qu'il y a beaucoup de soldats en fait, sur place. Et voilà quoi, ça parle pas de plus que ça de grand-chose d'autre, tu vois. C'est vraiment Ok, là en fait, soldats. ils sont en train de parler de ce qu'ils voient à l'illuminé actuellement. C'est pas, ils parlent de l'illuminé. Voilà, ils parlent de Ouais. l'illuminé, de que leur chef, maintenant, bah, il est de retour, tout ça, ils sont contents, blabla, quoi. Ok, bon, je n'aurais pas beaucoup, beaucoup plus d'infos. Moi, je continue à aider Jaja et Bibine. Et quand je finis de les aider, je vais aller voir Adélaïde. Ok. Voilà, parce que je veux voir où elle va, quoi. Mais bon, Ok. Et ça bah frotte du pas coup, mal. elle est déjà partie. Si tu continues d'aider, bah tu vas perdre sa trace. Donc, tu ne la Bah, retrouves pas dans la foule dehors. non, bah, en gros, effectivement, en fait, comment dire, si je vois qu'elle reste dans le coin là, je continue à aider. Si je vois qu'elle part vraiment loin, je me Ah dis, non, attends, c'est elle part. vraiment, elle prend le truc et puis elle part dans la ville, quoi. Bah, si je vois qu'effectivement elle part dans la ville, je vais la rattraper. Je vais lui dire, Ok. tu pars où avec ton verre, madame? Eh ben, je reviens. Très bien. Duchesse, Oui. vous êtes seule dans votre chambre. Que vous Oui. faites du coup? Vous êtes tranquille, peinard. Là, vraiment, plus de bruit, plus personne pour vous emmerder, ni quoi que ce soit. C'est la tranquillité. Très bien. J'ai bien sûr retrouvé ma dague et mon grimoire. Oui. Très bien. Alors, ben, j'ouvre mon grimoire. Tu ouvres ton grimoire, il a toujours écrit la même chose sur la page. Ça, tu le sais. Voilà, cette même chose que je sais. Tu sais plus ce qu'il a écrit? Tu as ta première dans les rangs, j'en veux quatre de plus. Tiens tête à Voilà. l'ancêtre sans te dévoiler jusqu'à ce qu'elle tombe. Frappe alors un bon coup. Bon, ça va. Bon, ça c'est bien. Voilà, ça c'est fait, ok. Ben, il m'en reste encore trois. Très bien, c'est bien. Ah ben, c'est bien. Si t'es contente, tu m'en vois ravi. Bah écoute, c'est pas mal. Pas mal. Je t'avoue que en réalité, Liliana devrait rester dans sa chambre, mais en vrai, je m'ennuie un peu. Ouais. Alors, je sais pas si je vais rester dans ma chambre. Tu veux peut-être les rejoindre? Ils sont à la taverne en train de boire du schnaud. Et après, Bah. je pense que je vais voir peut-être pour qu'on termine là bientôt. Et sinon, ça va commencer à faire de la merde parce que plus je vous laisse sans quête, sans vrai objectif, plus ça part en couille quand même. Bah, Ça, j'ai surtout bien retenu la leçon. ils sont tous les deux avec l'illuminé. Oui, à Du la coup, taverne. j'ai peur, hein, franchement, j'ai peur. Ah oui, bah, je me doute. Bah, du coup, si tu regardes par la fenêtre de ta chambre, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'activités à la taverne. Et il y a notamment beaucoup de gens bourrés et de soldats bourrés. Et du coup, tu peux voir Adélaïde qui rentre dans la taverne. Ok. Bon, ben dans ce cas, je vais y aller parce que je trouve ça, hein, voilà. Oh, j'ai juste envie d'y aller. Ok. C'est parti. Incroyable. Messieurs, Ben, vous ouais. voyez débarquer, ce sera la dernière scène pour ce soir, la duchesse un peu inquiète. Elle arrive au moment où Adélaïde commence à partir avec son verre, et au moment où l'illuminé la voit, il fait Chut! Y a la duchesse! Y a la duchesse! Chut! Eh gars! Qu'on accueille comme il se doit la duchesse, que tout le monde se tienne à carreau! Merci d'avance. Merci le dieu du carreau d'ailleurs. Sans lui, on n'en serait pas là. Duchesse, si vous voulez bien venir, nous allons boire un coup tous ensemble, à votre guise, de vous-même. Mais s'il y a Jojo à côté de moi, je lui dis, est-ce que tu crois que le dieu du carreau, il porte des chemises? J'ai pété la gueule. Donc je lui mets un pain. Tu sais que je suis armé, hein? Fais gaffe, hein?
Je vois que la soirée est déjà bien entamée. Tu peux voir que la soirée est totalement entamée. Les mecs, ils sont totalement beurrés. Jaja, Bibine, Jojo, ils sont en train de servir à droite, à gauche. Les caisses sont pleines. Ça consomme à tout va. C'est la fête. L'illuminé est libre. Les soldats sont contents. Leur chef ne craint plus rien de ce qu'ils ont entendu dire. Tout ça, tout ça. Du coup, l'illuminé, il vient vers toi un peu en titubant. Duchesse, si vous voulez bien faire l'honneur de venir boire un petit coup, on vous sert ce que vous voulez, c'est Jojo qui fait. Eh ben évidemment. Eh ben c'est avec plaisir que je vous accueille. Et si j'avais su avant que vous veniez, j'aurais peut-être vomi un petit coup. Mais venez, on va s'installer quand même. Super. C'est l'illuminé qui me parle comme ça ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, c'est lui, oui. Non mais t'as vu, c'est-à-dire que moi je viens le voir et je te dis, oui, oui, c'est bien lui, hein. C'est toujours lui, il n'y a pas de... D'accord là-dessus. Je vois que vous êtes un peu circonspect de mon état, Duchesse, mais sachez que déjà, moi, je suis là de bonne foi, et le bon et moi, eh ben, on est rabibochés, maintenant, on est totalement amis. Ah ouais, le bon. C'est pas faux. Eh ben, commence, termine ton verre, là, parce que c'est au moins ton troisième, quatrième, et après, on te resserre quand même, hein. Et tu vas pas t'échapper parce que ce soir, c'est la fête. Dame Lignana, je suis désolé que vous me voyez dans cet état. Sachez que ce n'est pas de mon fait. Non, mais attends. Chut, il te met le doigt sur la bouche comme ça, il passe un peu comme ça. Il dit, non, mais ça va, on fait la fête après tout ce qu'on a traversé. Les coups d'épée dans le bide, les trucs et machin, et tout ce que j'ai pas le droit de dire parce que vous savez, ça reste entre nous. Hein. Et ben franchement, on peut bien picoler un peu quand même, hein, Duchesse. Voilà, voilà. Donc la Duchesse, elle a dit oui. Quand je sais la Duchesse, je prends comme d'habitude un air un peu noble, genre, bon, comme d'habitude, Duchesse, vin rouge, baron, un celui-là où je vous sers autre chose, enfin vous me dites. Adélaïde vous regarde, dit bon, c'est pas que je m'ennuie, mais lui en plus il est complètement rond, donc bah, je vais aller me balader moi, hein. Hop, et puis elle part avec son verre, et elle marche en dehors de la taverne, elle slalome entre les mecs et elle dégage. Vous êtes là, du coup l'illuminé il voit ça, il fait bah allez, et t'as l'illuminé qui vient de cuts totalement que du liquide mousseux, et bah directement à ses pieds. Ah bah super. Donc quand ça arrive, j'ai l'habitude, je le prends, je l'attrape, je le mets dans un, je mets sa tête dans un seau que j'avais préparé, je commence à nettoyer. Tu sais, genre vraiment, je fais ça régulièrement, je suis en mode. L'habitude quoi. Du coup, t'as l'illuminé qui a la tête dans le seau qui arrive, tu chasses, je. C'est bon. Il arrive dans une minute, hein. Et Adélaïde, elle est partie, Adélaïde, pourquoi elle est partie? Tac, je sors la Duchesse, vin en cristal, comme d'habitude, tac. À la taverne, tu sais, il y a le petit emergency, tu sais, au cas où la Duchesse, elle arrive, tout, t'as le verre en cristal. Non, mais voilà, non, mais effectivement, en fait si la noblesse vient, j'ai un placard avec, voilà, où je sais quoi servir, enfin, voilà, c'est bon. Voilà, allez. Du coup, c'est la débandade dans le truc. Ils sont complètement en caisse, mais c'est la joie, en tout cas. Et du coup, l'illuminé, il a la tête dans le seau. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Moi, je continue ce que je disais. Si Adélaïde s'éloigne un peu trop loin, je vais voir où elle va avec son verre, quoi. Adélaïde s'éloigne totalement. Bah là, du coup, je sors. Tu la suis? Ok. Je sors, je vais la chercher, du coup. Ok. Ouais. Voilà. Le bon. Duchesse, oui. Vous êtes tous les deux dans la taverne, c'est le bordel et tout, ils sont contents. À la sortie de la Duchesse, ça lève le verre, ça chante, c'est content, l'illuminé libre, blablabla, bla, ça festoie. T'es plutôt en bon augure, du moins vous êtes plutôt tous les deux de bon augure. Tout le monde est plutôt content de vous avoir parmi eux et tout, c'est plutôt un kiff. Donc voilà, pour vous dire un peu l'ambiance. Très bien. Okay. Dame Liliana. Je voulais juste vous dire, j'ai officié la prière du soir à l'église. Ouais. Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Et ça s'est bien passé? Bah oui, une merveille. Voilà, ils ont demandé auprès de l'ancêtre, donc j'ai feint l'ignorance. Mais je pense qu'il va falloir qu'on
n'ait une discussion avec le peuple à ce sujet au plus vite, afin de les rassurer, car les prières ne vont pas se faire tout seul, je vais devoir officier, je pense, tout le temps. Et donc, il faudra trouver une excuse de l'absence du vieux. Ok, et on n'avait pas évoqué le fait qu'il serait peut-être en pèlerinage ? Si, bien sûr, mais sur le coup du... j'ai paniqué, quand j'ai officié. Ça a voilà. été plus simple pour lui d'improviser une prière que de se rappeler du pèlerinage. C'est fou. Je te kiffe, Pollux. Change pas. Oh, quel désastre. Trop bien. Mais à la base, moi, je voulais juste visiter l'église. Je voulais juste visiter les appartements de l'ancêtre. Je m'attendais pas à voir les cons devant l'église, là. J'ai paniqué. Voilà. Okay. Et ça s'est bien passé. Ils ont pas été bizarres. Ils ont pas... Une merveille. Écoute, la prière, ils maîtrisent. C'est un vrai. Ils ont vu du feu. Ah ouais, mais j'ai dit, on vit des heures sombres. On va penser aux gens qui sont sacrifiés pour le Val d'Irel, pour la Main Blanche. J'étais à fond. Puis ils ont tout gobé, les cons. Ils ont tout gobé. Mm-hmm. Ils ont prié. Ils sont barrés. Oh. Une merveille. Oh, ben, c'est bien. Mm-hmm. C'est très bien. Mais je repenserai au pèlerinage. C'est important. Et oui. D'autres choses comme ça qui s'est passé que je devrais savoir ou pas ? Non, bah après je suis venu ici. L'illuminé, j'ai parlé un petit peu avec l'illuminé au château après la réunion. Voilà, on a fait la paix. Il m'a dit qu'après tout ce qu'on avait vécu, ce serait bon ton qu'on reparte sur de bonnes bases. Voilà, et que c'était le passé tout ça. Et donc voilà, on s'est serré la main. Et puis. Puis là, il m'a servi des verres, on a remercié le support, enfin, c'est... Ok. Ouais, c'était... Mais voilà, c'est pas mal. Belle aventure. Ben, oui, c'est vraiment très bien, j'en suis sûrement heureuse pour vous, pour... Que vous ne soyez plus en froid. Pour je ne sais pas quelle raison, d'ailleurs, mais le principal, c'est que ce soit fini. Tout à fait, ouais. Une merveille. Du coup, hop. Messieurs, dames... On va s'arrêter là pour ce soir, et okay. Je vous avais donné une seule mission pour ce soir. Oh, merde. Exactement. Alors du coup, c'est maintenant ou jamais, soit vous avez un pseudo pour Mika, soit Mika décède dans la nuit. Oh, non. C'était le deal, vous avez une semaine de plus, donc je vous écoute, c'est quoi le nouveau pseudo de Mika ? J'ai une question par rapport à ça, juste. Ouais, je suis en train d'effacer sa fiche de perso, hein, déjà, parce que je sais que... Le pseudo doit être un pseudo style bah, comme la Duchesse a... Un surnom. Sur son livre, ou c'est un prénom, je peux donner aussi un prénom, aussi. C'est ça ma question. Un surnom, peu importe, ce que vous voulez, il faut juste que vous soyez d'accord sur un surnom. Du coup, on avait dit qu'Amika voulait expliquer un peu ce que c'était les sans-âmes et tout, parce que bah, forcément, il est curieux et tout, il allait vous poser des questions, et qu'on partirait sur le fait qu'il vous demandait... un nom de sans âme ou un nom pour appartenir au groupe et tout. Il veut pas qu'on l'appelle Mika, donc il a demandé un surnom. Et je sais que ça le tuerait si jamais vous avez rien, donc je vous écoute. Ok. Moi, j'ai un prénom, donc vous pouvez y donner. Mais est-ce que vous avez déjà un proposé avant que moi je donne le mien ? Moi, j'en ai un. Ok. Bah vas-y d'abord toi le bon. Diaphane. Diaphane. Ouais. C'est un papillon de nuit, ça, non ? C'est pas un truc comme ça ? Diaphane, c'est un synonyme de... Diaphane, c'est un synonyme de translucide. Ça veut dire qu'il laisse passer à travers soi les rayons lumineux sans laisser distinguer la forme des objets. Ah, ok, direct. Pas mal. Pas mal. Je connaissais pas du tout. Mais pourquoi j'ai pensé à un papillon de nuit ? C'est parce que les papillons de nuit sont diaphanes, du coup. Leurs ailes. Ah ouais ? Ah bah, je suis pas que con, ça va. Ouais, Diaphane, on a Diaphane en proposition, donc D-I-A-P-H-A-N. Ouais, alors moi j'ai parti sur un prénom beaucoup plus classique. J'ai parti sur un prénom, moi pour le coup. Classique, moi j'avais pensé à Arsène directement, comme prénom. Voilà. Arsène, en mode Arsène Lupin ? Bah bien sûr, mais voilà, mais Arsène quoi. Et puis, alors déjà c'est un prénom que je trouve ultra stylé, déjà de base, je trouve, Arsène. Ah mais c'est un prénom, c'est des surnoms que je veux, c'est des pseudos moi.
Oui, voilà, mais moi c'est pour ça que je te posais la question, est-ce qu'il veut un autre prénom ou est-ce qu'il veut un surnom, ça, c'est pour On pourrait ça, l'appeler moi, Marcel. Non, pas du tout. C'est toujours un prénom. C'est toujours Robert, pas mal. Mais voilà, mais c'est pour ça que je voulais l'appeler Arsène, quoi. Voilà, on l'appelait Jean-Eude. Je vote pour Diaphane. Et Duchesse, avez-vous une idée? Alors moi, je vais faire semblant que j'avais déjà bien réfléchi, donc là, je suis en train de regarder une liste de synonymes, bien sûr. J'adore l'honnêteté de la duchesse, c'est ça qui est fort. Ah ouais, le petit Mika commence à s'éteindre. Un synonyme de mort, décédé, passer l'arme à gauche. Ah, écoute, j'en ai pas de voix, je cherche les synonymes de courageux, tu vois. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Mais bah, le problème, c'est que c'est franchement, pas très... tu m'aurais dit encore un synonyme de curieux. Je veux bien courageux. Ouais, c'est. Est-ce que il c'est est pas courageux, un peu. Mika. C'est un il peu de la folie quand Mika. Même. C'est un peu plus de la folie juvénile que. Tu... Non. Non, mais il est super après... courageux, attends. Mais oui, bah après, c'est ton point de vue. On va l'appeler étrange, bizarroïde, sciant, inouï, incroyable. Spécial. Spécial. Ouais, mais c'est nul aussi, c'est nul les mots qui vont... Bah écoute, je prends les synonymes comme toi, je suis sur la rousse. Non, bah c'est pas à moi de trouver un pseudo, hein. C'était à vous. Piquant, pittoresque. Viens là, pittoresque. Ah oui. Et plutôt téméraire, voire suicidaire. Et vous, le chat, bah tiens, faites les malins. Le chat, non, Shadow, c'est anglais. Je voudrais pas trop de trucs oui, anglais. Oui, non, mais j'ai pas appelé Shadow. Enfin, le chat a proposé. Mais non, il faut un pseudo, un truc qui est... Non, mais évidemment que j'ai pensé à Shadow directement. Enfin, genre, c'est sûr. Regarde, Tombe, ben, il s'appelle Tombe, tu vois. Et c'est oui. Avec des coupeurs de bois. Pourquoi il s'appelle Tombe? Personne se pose la question, mais il est là. Barban, il est Barban, tu vois. Jaja, Bibine, c'est les pseudos, tu vois. Mamie Irel, c'est la mamie. Titan, il ressemble à un titan. Tout ça, tu vois, tout a un fond de vérité, tout a un truc. Mortepelle, elle s'appelle, tu vois, elle s'occupait des morts et tout. Le chat noir. Chat noir. En un mot, chat noir. Mais du coup, ça, tout ça le monde... Ça fait un peu trop miraculous. Bêcheur, tu vois, c'était Bêcheur, tu vois. Tout est dans le nom, tu vois. Molasse. C'est un chanteur, il est Molasse, tu vois. Faut trouver un nom, un pseudo pour Mika, c'était la mission de cette semaine, oui, sinon Mika meurt. Oui, non mais, sinon... Félix. Félix pour le chat noir. Mais j'avais pensé à un adjectif, moi aussi, hein, que j'avais pensé. Quel adjectif? Alors, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais moi, je voulais l'appeler Chimère, à la base. Ouh, Chimère, ça. Ouais. Bah ouais, mais je sais pas. Moi, mais pour moi, Mika, il est... Il est un petit peu comme ça, quoi. Un peu chimère, quoi. J'aime bien chimère, moi. Du coup, on a Diaphane, on a chimère. Diaphane, chimère. Mika l'estropié. Mais non, je veux virer Mika. Némésis. Némésis, quoi. Wow. Némésis, c'est violent. On se retrouve, Némésis. Waouh. Wow, il y a Mila Jovovic qui va apparaître pour lui mettre du tatane dans sa gueule. Ça, non mais carrément, Némésis, c'est le truc trop énervé, quoi. Non mais, je trouve Chimère un peu énervé en Némésis. Ça va partir sur Diaphane, hein. Ça fait un peu fi, peut-être, Diaphane, non? Ça fait pas un peu fi? C'est un mot, quoi. C'est pas... Bah, Diaphane, en plus, ça va être masculin, féminin. Mais c'est vrai que ça... Ouais... Ah, ça fait une connotation un peu fi. Après, moi, n'importe. Hein. Après, il faudra encore... Vous changez de pseudo quand vous aurez fait votre voir. C'est-à-dire quoi, Diaphane qui est translucide, qui laisse passer la lumière. C'est ça. Si j'ai bien compris. Ça laisse passer les rayons lumineux sans laisser distinguer la forme des objets. Vu que voilà. c'est un voleur, tout ça, je trouvais ça sympa comme... Un voleur, un vulgaire voleur. Voilà, un assassin, pardon. T'as un problème avec les voleurs assassins, c'est ça Mais non, mais je pense à vous directement. Voilà, je le tue sur le champ. Il est mort, Mika. Il a un problème avec les assassins, là, le noblio, là, il veut quoi, là? Bah non, mais voilà. Une dague dans le dos, peut-être? Un coup d'arbalète? Ouais. T'as un problème? C'est votre casque qui vous gêne? Calmez-vous. Non, ça va, ça. N'empêche, Pollux, c'est le seul à avoir bossé, ok? Bah non, mais j'avais... Non, mais j'avais... ça va. Arsène, c'est pas un pseudo. Bah, j'en ai donné un autre, c'est bon. J'avais pensé aux deux. Mais j'ai... Bien rattrapé, ouais.
Bah, non, préfère mais... Clem qui avoue qu'elle a rien fait. Bah, j'ai rien à vous du tout. Alors, du coup, c'est Diaphane, une fois. Chimère, t'aimes bien aussi? Chimère, c'est un peu violent, hein, chimère. Moi, je vois ça comme une connotation négative, une chimère. Chimère, c'est, toi, chimère, chimère. C'est quelque chose de pas très abouti. Hein. Ouais, ouais, chimérique, ouais. C'est un peu quelque chose qui s'est un peu... C'est un peu planté, quoi. Ouais. Un peu un mélange. Expérience ratée, quoi. Ouais. Et Mika, c'est une expérience un ratée, c'est ça que vous dites? Oh, putain. Bah non, carrément pas. Allô? T'as parlé de pas. J'en ai même pas, en plus, donc... Bah, chimère. C'est une chimère. Chimère Badi, la chanteuse. Allez, on s'arrête là-dessus. Rodagal, tu prends 15 minutes. Voilà, déjà. Non, pas du tout. Du coup, D-I-A-P-H-A-N-E. Diaphane. Ah, mais Diaphane, c'est bien, moi, j'aime bien. Si vous avez autre chose, sinon je vous présente Diaphane, ou le fils de Titan. Après, Diaphane, c'est bah, un peu Stéphane. En vrai, ça passe. Non, mais Diaphane c'est bien pour le coup. Non, mais parce que, comment dire, ça rappelle un papillon et tout. Moi, je trouve ça cool. Hein. Enfin, pour le coup. Eh bien, écoute, c'est parfait. Bah, si ça vous plaît, c'est good. Donc, alors, attends, je mets fin, on va dire 23h. Fin 23h. Jojo suit Adélaïde. Et Duchesse illuminée. Et le bon à la taverne complètement bourré. Oh, merci de support. Oui. Pas complètement bourré, ça c'est fait. C'est mal écrit en plus. Aucun effort. On picole à la taverne, mais on remercie le support. Le mec, c'est même pas on remercie le dieu de la table, c'est on remercie le support. Merci support. Incroyable. Merci support. Incroyable. Merci support. Du coup, prochaine séance, si c'est bon pour vous, ce sera le 3. Ouais. Non, c'est pas Pâques, hein, c'est après, c'est le 10 Pâques. Ouais. Bah, vous me direz si c'est 10 Pâques. Le 3 Pâques. Du 4. Ouais. Je t'attaque avec mon Mac. Ah, let's go. 20h30. Si c'est bon pour vous, on se voit dans une semaine. Pile. Chaud patate. Yes. Parce que je peux vous dire, j'espère que vous n'aurez pas trop de gueule de bois. Qu'on se le tienne pour OK. On va se faire un petit timelapse, je pense. Okay. Et timelapse. Et on enchaîne directement. Donc avant que Clem dise qu'elle soit pas là, ce sera timelapse doléance. Oh. Alors le 3 avril, ah merde. Le 3, attends, je regarde. Ta doléance. Ta doléance, je sais. C'est pour ça que tu peux pas, ta doléance. Je peux pas, j'ai extinction de voix. Ouais, c'est ça. Je serais pas guéri, tu sais, une heure avant. Yeah, on devrait niquer sa voix. Je serais malade. C'est sûr. C'est sûr, j'ai déjà rendez-vous chez le médecin de toute façon, donc non. Malade. Ah, pas de bol, hein, pas de bol. Non, mais... Vraiment, ça va être des bonnes doléances. D'accord ? Non. Non, si, si. Non, mais il n'y a pas de bonnes doléances. Ça, il y a les bonnes doléances. Il y a les mauvaises doléances. Oh, ouais. Ah, vous savez, maintenant que Jojo a sa médaille, est-ce que je suis vraiment... C'est vraiment obligé que je sois là ? Je sais pas. Hein. Ah, d'accord. Ah, donc, ça y est. Donc, en fait maintenant que je suis représentant, c'est genre, vas-y, maintenant on travaille à ma place, enculé. C'est ça, en fait, maintenant. Bah, elle t'a pas dit, mais t'as un discours à faire, au fait. Parce qu'avant le timelapse. En fait, parce que bon. Okay. Avant le timelapse, effectivement, il y aura un discours à faire. Ce sera, du coup, le lendemain matin. Donc, attends, on fait la fin de la nuit, ce qui se passe. Vous allez au lit. Lendemain, discours au peuple, parce que c'est obligatoire, sinon ça va prendre des ampleurs, vous assumerez les conséquences. Et une fois le discours, donc t'as un discours à bosser. Un, deux, vous trois en même temps, vous faites ce que vous voulez, mais discours. Okay. Je te laisserai pas de temps de préparation, c'est vraiment tes devoirs. Du coup, alors attends, discours... Vas-y, moi je fais le discours, comme ça je dis que la vérité. Voilà, donc nous avons buté l'ancêtre, c'est clair pour tout le monde. Nickel. Donc on est les sans âme maintenant, au fait. Vous savez. C'est moi qui ai parlé. Il ne s'est rien passé. Laissez la police faire son travail. Voilà, rentrez tous chez vous. Bisous. C'est la première tournée, c'est pour moi, c'est gratuit. Allez, salut. Voilà. Exactement. Non, mais du coup, comme ça, c'est noté. Donc le discours au peuple. Et après, c'est time-lapse, comme ça vous êtes au courant, vous ne pourrez pas dire, et doléance. Je vous ai laissé une petite séance pour vous en remettre et tout, discussion, on met tout ça à plat et tout. Je prévois juste une séance de doléance, après je vous laisserai gérer comme bon vous semble, et pim. C'est bon pour vous ? Oui. Oui.
Ouais. Et bah du coup, merci à tous. Désolé pour cette soirée du coup un peu longue, hein, parce que vous avez été séparés, fallait discuter et tout, j'ai fait au mieux. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, vous serez tout le temps tous ensemble, ce sera le feu, on va bien rigoler. Okay. On se voit lundi prochain. Merci à vous. Allez. La bisouterie, bonne nuit à tous, ciao ciao. Salut tout le monde, ciao. Salut. Et bah c'est une merveille, ça fait plaisir, si vous voulez je reste un peu. Je viens de lancer une game là,